Ça fait c'est une bonne chose. On a dit à peu près un, à peu près deux. Les activités de l'économie. Peut y aller? Il bosse.
Est-ce qu'on peut commencer, Hind? Chers amis, bonjour. Un grand bonjour à notre fidèle partenaire Emmanuel Mahé, qui depuis des années n'a pas raté un seul de nos congrès. Donc on le remercie dans cette première version virtuelle. Grand bonjour à mon très cher ami Cheikh Khalid Bennani, président de l'Amicale des pédiatres de Tanger. Et je voudrais ici insister sur les choses bénéfiques de cette épidémie Covid, à savoir que nous avons créé une union entre l'ensemble des associations de pédiatrie, des pédiatres régionaux, donc avec des bureaux dans toutes les régions qui sont dynamiques, puisqu'on a pu relancer la campagne de vaccination avec le ministère de la Santé, ce qui nous a permis de ne pas avoir de problème au niveau de cette rupture, de cette campagne, puisque comme vous l'avez vu, par exemple au Cameroun, il y a eu plus de 1200 cas de rougeole. Nous, alhamdoulilah, on n'a pas eu de problème. Grâce à la vigilance, je le dis, la vigilance des pédiatres privés, de l'ensemble des bureaux des associations régionales, et puis de notre société marocaine de pédiatrie, on tient à féliciter notre président, le docteur Hassan Afilel, pour le travail exceptionnel et remarquable qu'il a fait, puisqu'il a défendu le retour à l'école des enfants et que nous avons été entendus là aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, nous ne pouvons qu'être fiers de ce qu'ont fait les pédiatres, tout secteur confondu. Donc, pour cette première version virtuelle et qui va peut-être inaugurer, et ça nous fait plaisir, par notre ami Emmanuel Mahé, donc, et qui correspond aussi au 22e congrès du docteur Al-Hajj Driss Mejelloun, Allah yarhamou wassa alayh wa yarham gal la mouat dial maghriba. Ou hna tankhassou bel dhikr les akhawat ou l'ikhwan, les médecins, les infirmiers, les techniciens. Et je vais parler en français pour que notre ami puisse nous suivre. Nous avons perdu plus de 70 médecins. Et vous savez que c'est pour pouvoir former un médecin, il faut au moins 10 ans pour un généraliste et 12-13 ans pour un spécialiste. Et donc, c'est une perte énorme, nous qui avons une diminution de nos ressources, parce que, comme vous le savez, 14 000 médecins sont à l'étranger, la plupart sont chez vous en France. Donc, on fait tout, on vous le dit, on fait tout avec le ministère de la Santé pour améliorer les conditions de travail de nos médecins pour qu'ils puissent rester chez nous. Le nombre d'inscrits, on me l'a dit donc ce matin, donc ça veut dire que c'est le chiffre d'hier, a dépassé les 900 participants, attestant de la richesse du programme et du choix des orateurs. Et je voudrais remercier vivement l'agence qui nous accompagne, Digi Event, par son sérieux, c'est Jalil et Madame Hind et toute l'équipe, et qui ont réagi parce qu'ils ont pu augmenter la plateforme. Donc, merci à tous les bureaux, comme je l'ai dit au début, des associations régionales des pédiatres pour leur soutien, au bureau de la PLF, particulièrement notre ami Patrick Tounian et Mustapha Mokhtari, à tous nos amis du Maghreb et d'Afrique. Merci aussi aux sponsors, les sponsors Platinium
MSD, Pfizer, Nestlé Pharma 5, Gold, Sanofi, GSK, Cooper Pharma, Sotema, et Silver, Bio Codex, FI, Bayer, Bledina, Primalac et Dermopharm. Bonne année 2021, en espérant nous en sortir au plus vite. Notre pays a donné l'autorisation de mise sur le marché du vaccin AstraZeneca et il a reçu les papiers pour, il est en train d'étudier l'autorisation pour le Sinopharm. Notre pays a commandé 66 millions de doses. On était parti pour vacciner 25 millions de personnes, à savoir 80% de la population. Comme je l'ai dit, les pédiatres, et on l'a dit, on l'a exprimé à travers notre président de la Société marocaine de pédiatrie, nous sommes engagés pour participer activement à cette campagne de vaccination en se portant volontaire pour nous vacciner les uns les autres dans un premier temps et vacciner aussi nos collègues pharmaciens et chirurgiens-dentistes et aider à ce qu'on puisse nous en sortir tous. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Si Khalid Bennani et mon ami le professeur Bouy qui vont donc modérer cette séance. On me dit qu'il faut qu'on termine à 10h30. Donc, désolé, on a un petit peu pris un peu de temps, mais pour pouvoir respecter le timing, c'est Benani, c'est à toi. Vas-y, active ton micro. Voilà, vous m'entendez? Bonjour à tous, bonjour au professeur Mahé, très heureux d'être parmi vous, même en virtuel. Les réunions, les conférences plénières nous manquent tellement, mais devant un écran, c'est toujours ça. Et on est content d'être parmi vous. Je voudrais féliciter bien entendu la CPP et son dynamisme. Elle nous permet de nous réunir aujourd'hui et d'essayer de discuter un petit peu des problèmes actuels. Bien entendu, nous sommes tous très, très, très pris par cette pandémie sur le plan régional, national et international, bien entendu, mais il ne faut pas qu'on oublie que nous avons quand même notre activité quotidienne, nos petits malades. Et donc, je ne vais pas m'éterniser. Je cède tout de suite la parole au professeur Mahé et puis on essaiera d'entamer une discussion sur la dermatopédiatrie. Professeur Mahé, à vous la parole. Merci, merci pour cette invitation encore. Tout d'abord, je souhaitais vous souhaiter une excellente année à tous et effectivement, le présentiel ne sera jamais remplacé par le virtuel, même si c'est une solution temporaire. Et je disais au docteur Afif, c'est la première fois depuis un an que j'ai pu faire une réunion présentielle en dehors de mon hôpital il y a 48 heures. Et ça fait un bien fou, donc j'espère qu'on pourra rapidement se revoir. Alors, je ne parle pas le contact avec les Maroc, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de patients marocains, donc on discute en permanence. Et certains ne veulent pas se vacciner, donc je leur ai dit que moi, mes informations, c'est qu'ils ne pourront pas retourner au Maroc sans être vaccinés. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'espère que vous nous inciterez aussi, parce que vous savez que les Français sont très frileux avec la vaccination et on a l'impression que moins de 20% des gens vont se vacciner. C'est, moi, je trouve hallucinant. Je pense que c'est, bah, vous sentez la même chose. Donc, merci encore pour cette invitation et vivement qu'on puisse revenir. Je vois que Mohamed est là. Bonjour Mohamed aussi. Je commence tout de suite. J'ai compris le message, il fallait finir avant la nuit, si on veut discuter un peu. Donc, ça marche le partage d'écran? Oui. Donc, après discussion avec le secrétariat de la CPP, il a été proposé cette année, à partir de cas pratiques, de discuter de situations courantes autour de la dermatite atopique, autour d'infections banales. Mais l'idée aussi, c'est que il fallait se coller un peu à l'actualité. Et la dermatologie, c'est toujours formidable, parce qu'il y a un nouveau médicament, il y a des nouvelles maladies, il y a un nouveau virus, il y a des nouvelles maladies. Et le Covid-19 nous a fait découvrir tout un tas de pathologies, des nouvelles, et puis on a revisité des anciennes. Donc, je vous ferai un petit rappel
rappel de ce qu'on a pu voir, nous, en dermatologie et la prise en charge éventuelle. Donc, le plan, c'est autour de la dermatite atopique et ses complications, comment on les gère. Trois jolies observations récentes, je trouve que c'est toujours intéressant, surtout que là, cette année, il n'y aura pas de session de cas clinique. On se reverra demain midi, je crois, enfin demain à 13h pour la foulée ankylose, mais il n'y aura pas de session de cas clinique. Donc, je vous ai sorti trois, ce que j'appelle moi des jolies observations pour un dermatologue, entendons-nous bien, parce que ça peut parfois un peu impressionner les gens, même si nous, avec notre enthousiasme clinique, on trouve ça formidable. On va partir tout de suite. Donc, il s'agit d'un petit Arthur, 6 ans, qui a une dermatite atopique depuis 3 mois. Et c'est typiquement une consultation de dermatite atopique en milieu hospitalier. Souvent, on a des enfants qui arrivent en deuxième, troisième, quatrième ligne d'avis. Et les parents nous disent toujours, ça résiste au traitement. Le traitement ne fonctionne pas car l'eczéma rechute dès qu'on arrête le traitement. Nous avons traité l'eau, nous avons utilisé des produits anti-acariens, ça n'a aucun effet. Et ça, je ne sais pas si vous l'avez aussi au Maroc, peut-être un peu moins sur le traitement de l'eau, mais chez nous, dans le bassin parisien, où il y a l'eau est dite calcaire, les gens traitent leur eau, et ça fait toujours rire, on explique pourquoi, pour enlever le calcaire. Et l'idée un peu, c'est que l'eau est sèche, quoi. L'eau chez nous est sèche. Donc, c'est un concept que moi, je n'ai toujours pas compris. Donc, je rigole toujours un peu avec les gens. Donc, ça, évidemment, ça ne servira à rien. Mais c'est typiquement une observation qu'on observe. Et Arthur, effectivement, n'est pas très bien, comme vous voyez sur ses lésions. Il présente une dermatite atopique quasiment sur plus de 50% du tégument. Hein, avec ce qui est intéressant, vous voyez des plaques un peu plus épaisses, peut-être une petite surinfection, mais on voit tout un fond érythémateux, squameux, légèrement pigmenté, un peu avec un rehaussement folliculaire. Donc, même si les plaques sont assez localisées, on a l'impression, en fait, cet enfant est couvert de dermatite atopique. Et donc, tout de suite, trois questions que j'aurais envie de vous poser. D'abord, est-ce une DA et quelle forme est-ce une DA? Alors, je vais utiliser DA pour dermatite atopique, évidemment, hein, tout au long de cette présentation. Quelle forme? Et on verra qu'il y a plusieurs formes de dermatite atopique en dehors de la forme classique. Les parents disent que ça ne marche pas. Comment le définir? Parce que est-ce que cette dermatite atopique est résistante ou est-ce que c'est le profil évolutif normal? Et on a un rôle d'enseignement et de recadrage un peu autour de cette notion de résistance. Et puis, que faire de cet enfant qui, comme vous l'avez vu sur les photos, ne va pas très bien? Donc ici, moi, je dirais, si j'ai envie de la classer d'un point de vue clinique, et on va voir les différentes formes cliniques, je dirais qu'il y a une forme classique puisqu'on a ce fond érythémateux un peu diffus, une composante numulaire avec ces placards un peu plus localisés avec un rehaussement comme si on avait des pièces posées sur la peau, et une surinfection probable puisque vous voyez ici un exsudat, un aspect un peu mélicérique, et même là il y a des croûtes. Alors vous savez que la dermatite atopique est un eczéma sec. Un eczéma, une dermatite atopique suintante, c'est soit une dermatite atopique surinfectée, soit un eczéma de contact surajouté. Donc là, on est sur une dermatite atopique classique avec une composante numulaire, avec une surinfection probable. Donc, juste un rappel clinique sur la dermatite atopique. Je vous rappelle que le mot-clé dans la dermatite atopique, c'est le prurite. Et je vous ai déjà montré cette photo, je pense, parce que cette photo, pour moi, est très symbolique, parce que les parents me disaient que leur enfant ne se grattait pas. Il avait une dermatite atopique peu sévère. Ils me disaient qu'il ne se grattait pas, et quand on l'examine, vous voyez, des coups d'ongles sur les pieds. Et pour qu'un enfant de 3 mois, cet enfant avait 3 mois dans mon souvenir, se donne des coups d'ongles comme ça, c'est vous dire l'intensité du prurite. Et c'est important dans la prise en charge, c'est important dans le diagnostic, ce prurite, c'est important dans la prise en charge. Il y a beaucoup de gens frileux dans la prise en charge de la dermatite atopique et c'est juste exaspérant. Je parle des médecins, je parle des patients, je parle aussi des pharmaciens qui vont être des sources de résistance à la prise en charge. Ne pas traiter un enfant qui se gratte, c'est accepter qu'un enfant souffre d'un des symptômes les plus pénibles qui puisse exister, c'est de se gratter 24 heures sur 24. Se dire un traitement va marcher en 3 semaines, je crois qu'il faut se mettre à la place de ces enfants. Et se dire, est-ce que j'accepterais de me gratter pendant 3 semaines alors qu'en 24 heures, je peux ne plus me gratter? Donc, se dire le prurite, c'est la douleur, c'est très pénible, mais le prurite l'est tout autant. Le prurite, ce sont des insomnies, le prurite, c'est un inconfort permanent. Donc, je crois qu'il faut vraiment être très, très ferme et traiter rapidement ces enfants. D'un point de vue sémiologique, vous savez, c'est un érythème squameux mal limité qui est sec hein, dans la dermatite atopique. Les localisations dans les formes classiques vont dépendre de l'âge.
Plus on est petit, plus ça touche les convexités, plus on monte en âge, plus ça va toucher les plis. Avec des formes particulières qu'on va voir chez l'adolescent et chez l'adulte, qui vont toucher des zones particulièrement exposées. On va avoir par exemple un eczéma des mains, on va avoir un eczéma du visage qui maintenant semble être associé à l'infection par le malassezia, furfur. Donc on a une variante clinique au fil du temps du fait des localisations. Mais on a aussi des présentations cliniques très très différentes avec des eczémas nummulaires, des eczémas folliculaires, des dyshidroses, des pulpites, des formes érythrodermiques. Et une pathologie que maintenant on a tendance à intégrer volontiers à la dermatite atopique, c'est ce qu'on appelle le prurigo nodulaire, on va le voir en photo, qui avant était un peu séparé puisque la prise en charge est un peu différente, mais très légèrement différente franchement chez l'enfant. Donc tout ça, ce sont des formes cliniques. Et je vous rappelle qu'il y a tout un tas de petits signes qui sont associés à cette dermatite atopique, comme la xérose, l'ictiose, la kératose folliculaire, qui sont, vous savez, ces petites lésions folliculaires qui donnent un aspect granité, râpeux des épaules, par exemple, mais qu'on peut avoir sur le visage aussi. Donc tout ça, c'est le cadre de l'atopie. Donc voici la forme la plus classique qu'on va observer chez le petit enfant, hein, cette forme qui touche les convexités, qui ici touche les joues, qui touche volontiers le front, qui va toucher l'abdomen. Ça sont des localisations, vous voyez le torse, ce sont des localisations qu'on peut voir plus tard, mais qui sont rarement isolées. Chez le petit enfant de 2-3 mois, le nourrisson, on va avoir vraiment cette prédominance, voire cette exclusivité en termes de localisation. On a des formes qui sont un peu atypiques, qui sont plus psoriasiformes, qu'on peut voir chez le nourrisson, qu'on ne voit pas après. Moi, j'ai été trompé les premières fois, où je pensais que c'était des psoriasis du nourrisson. Pourquoi ? Parce que les plaques, vous voyez, sont érythématoses squameuses, mais bien limitées. Hein, c'est étonnant, on peut les dessiner, les plaques, avec des squames un peu plus épaisses, plus psoriasiformes. Et en fait, le test thérapeutique permet rapidement de recadrer le diagnostic, puisqu'en 24-48 heures de dermocorticoïdes, en fait, ces enfants sont transformés, ce qui, évidemment, n'est pas le cas en cas de psoriasis. Donc là, la forme du plus grand enfant, avec l'atteinte des zones dites bastions, comme les plis du coude, les trepoplités, le cou, là on retrouve le cou, mais aussi la zone péri-orbitaire, donnant cette pigmentation péri-orbitaire, ce regard un peu triste des enfants atopiques, avec ce double repli palpébral dit de Denis Morgan. Mais vous voyez aussi une kélite chez ces petits, donc vraiment tout ça, ce sont les localisations classiques. Et cet enfant, cette petite, je me souviens très bien, il y a un petit bout de temps que je l'ai vue, elle est rentrée dans le box et le diagnostic était évident et tout de suite fait, et on savait même pourquoi elle consultait tellement elle était mal. Donc l'eczéma nummulaire, c'est un eczéma qui est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus difficile parfois à diagnostiquer même, puisque ça peut ressembler à un psoriasis, ça peut ressembler à un lichen, ça peut ressembler à des lichenifications, c'est-à-dire un épaississement de la peau par simple grattage de la peau. Donc, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment l'interrogatoire qui nous permettra de redresser le diagnostic, où on va rechercher le prurit chronique, les antécédents atopiques. Et donc, c'est une forme sous forme de petits médaillons multiples sur le corps, extrêmement prurigineux. Et vous voyez là qu'en fait, cette lésion est excoriée, probablement légèrement lichénifiée. Cet enfant était couvert de ce type de lésion. On est devant une forme plus nummulaire, pas dans une forme classique diffuse. Le prurigo nodulaire, ça, c'est une jeune adolescente que j'ai vraiment du mal à traiter. Vous voyez, ces nodules de la peau diffus, excessivement prurigineux. On voit très bien les excoriations ici, hein, sur la jambe gauche, mais ici aussi sur le genou droit. C'est quelque chose d'assez épouvantable d'un point de vue symptomatique et aussi très, très difficile à traiter. Ce sont des enfants qui justifient toujours, et je dis toujours, c'est vraiment toujours des traitements systémiques, type méthotrexate. Alors, on essaye par exemple le thalidomide, vous savez, qui est assez difficile à manier parce que ça donne des neuropathies, par exemple. Mais ce sont des formes très, très difficiles à traiter. Donc ça, je vous conseille de l'adresser plutôt à un dermatologue parce que c'est assez difficile à gérer. Ce qu'on peut voir plutôt sur peau pigmentée, donc vous en voyez vous aussi, ce sont ces eczémas à rehaussement folliculaire. Alors, je ne dis pas un eczéma folliculaire, mais plutôt un eczéma à rehaussement parce que, vous voyez ici, elle a un eczéma tout à fait typique, hein, cette petite d'origine d'Afrique subsaharienne. Elle a ici des lésions tout à fait typiques, d'érythèmes qu'on voit à peine sur peau noire, évidemment, mais on retrouve l'aspect fripé, finement squameux, avec un rehaussement folliculaire. Rehaussement que l'on retrouvait aussi en haut du torse, sur les zones préaxillaires.
Et là, j'étais même surpris, je vous avoue, je l'ai biopsiée, cette petite, parce que je me suis dit, je passe peut-être à côté d'un lichen folliculaire, je passe peut-être à côté d'un mycosis sphingoïde folliculaire, qui est une forme de lymphome cutané, qui pourrait tout à fait donner cet aspect-là. On peut avoir des mucinoses folliculaires qui donnent cet aspect-là. Donc, je l'ai biopsiée. C'est rare, je vous avoue que de biopsier, ça m'arrive très rarement de biopsier des dermatites atopiques, mais là j'avais quand même une incertitude, et comme les autres pathologies se géraient de façon tout à fait différente, je l'ai biopsié et ça m'a répondu eczéma dans une forme tout à fait classique d'un point de vue histologique. Donc c'est un peu atypique, mais pensez-y. Bon, les érythrodermies, celle-là est presque psoriasiforme. On aurait pu même évoquer une érythrodermie ictiosiforme, tellement elle est inflammatoire, tellement les squames sont épaisses. Et en fait, c'est une érythrodermie qui a été extrêmement corticosensible. Et une fois la phase aiguë traitée, l'enfant avait une dermatite atopique tout à fait classique, qui a été très facile à contrôler. Alors, ça, c'est un point important. Ce n'est pas parce que l'enfant arrive érythrodermique que la dermatite atopique sera difficile à gérer. L'érythrodermie, c'est plus le témoin d'une insuffisance de traitement. Et donc, le processus inflammatoire s'est pérennisé, s'est étendu, et l'enfant est couvert d'eczéma. Mais une fois qu'on le prend en charge, on se retrouve, et c'est très fréquent, je trouve, devant des dermatites atopiques banales, voire peu symptomatiques. Et dès que les parents comprennent le traitement, ce sont des dermatites atopiques qui sont faciles à contrôler. Donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, c'est sévère que ça va l'être au fil du temps, surtout chez les petits. C'est moins vrai chez les grands. Un enfant qui a 10 ans arrive dans cet état-là, c'est évidemment une dermatite atopique de mauvais pronostic. Les pulpites sèches, c'est intéressant parce que on a tendance à se dire, bon, finalement, c'est très peu étendu, c'est pas très grave. Mais là, non seulement c'est prurigineux, mais c'est douloureux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des fissures au niveau des doigts. C'est insupportable, les fissures au niveau des doigts, parce que la peau est très épaisse au niveau des doigts. Et donc, c'est très difficile à faire cicatriser. Et surtout, ce sont des zones qui ont des contacts permanents. Donc, à chaque traumatisme, on va se réouvrir la fissure. Ça va être de nouveau douloureux, ça va être saignotant. Et un enfant comme celui-là, en haut à gauche, par exemple, va avoir du mal à tenir un stylo du fait de la douleur liée à la fissure du pouce. Hein. Donc, soyons vigilants. Ça, c'est un enfant qui, dès qu'il va marcher, va être douloureux. Donc, ce n'est pas parce que c'est localisé que ce n'est pas grave. Ça, c'est tout aussi sévère, à mon avis, que la érythrodermie qu'on a vue précédemment. Dans des formes plus diffuses, on peut avoir des dyshidroses, qui là est un eczéma. Alors, c'est peut-être le seul eczéma suintant, puisqu'on va avoir, vous savez, des cloques sur la paume des mains, des cloques sur la plante, des cloques sur les doigts et entre les orteils, qui est aussi très résistante aux thérapeutiques. Résistante, je pense que c'est lié à la forme clinique et lié à la localisation. Ici, vous voyez, malheureusement, c'est dans le coin, on ne le voit pas très bien, mais vous avez souvent ces vésicules un peu coalescentes, enchâssées dans l'épiderme, qui est très épais au niveau des pulpes, et qui donne cet aspect un peu atypique. C'est résistant parce que, probablement que cette forme l'est déjà, mais on est sur la peau sur la paume, et la paume absorbe très, très peu les dermocorticoïdes. Donc, ce sont des formes chez lesquelles on va utiliser des corticoïdes très forts, type Dermoval, Diprolène, Clarelux, par exemple. Donc, est-ce que c'est une DA résistante? Eh bien, moi, je pense que non. Quand les parents me disent que c'est une DA résistante parce qu'elle rechute, c'est normal. C'est le profil évolutif d'une dermatite atopique. Mais si on ne l'explique pas, bah, pour les parents, ce n'est pas normal. Il faut bien que les parents comprennent, c'est notre rôle de leur expliquer que la dermatite atopique est une maladie chronique qui évolue par poussée. Donc, le fait que ça rechute, c'est normal. Le fait que ça rechute à l'arrêt des traitements, en fait, quand vous leur demandez à l'arrêt, mais c'est combien de temps après? Vous êtes surpris, c'est 3 semaines après. Trois semaines après, ça va, c'est une poussée, c'est une simple poussée. Donc, il faut relativiser un peu cette chronicité telle qu'ils la décrivent. Et puis, est-ce que ça résiste? Quelles règles d'hygiène vous utilisez? Comment vous lavez l'enfant? Est-ce que vous l'hydratez? Si les gens vous disent « non, je ne mets jamais de crème hydratante parce qu'il en a marre, et pour l'hygiène, je mets du savon de Marseille », c'est un peu normal. Le savon de Marseille est un irritant, un très bon savon, je ne reproche rien d'un point de vue qualité en termes d'hygiène, mais c'est un savon qui est très asséchant. Donc, quand on assèche une peau des sèches, ça va forcément dégrader la dermatite atopique. Comment est-ce que vous utilisez les dermocorticoïdes? L'exemple, vous savez, il y a 20 ans, 30 ans, on disait qu'il faut faire une décroissance très progressive des dermocorticoïdes. Bon, depuis les recommandations qui datent des premières recos françaises, qui datent d'une vingtaine d'années maintenant, il a clairement été dit que la décroissance ne servait à rien. En plus, elle est compliquée à mettre en place.
Donc, si les gens vous disent, bah, je fais une semaine de traitement, puis après un jour sur deux, puis après un jour sur trois, et quand je fais un jour sur trois, ça rechute, c'est normal, parce qu'on est en insuffisance de traitement, on est presque sur un traitement proactif et pas sur un traitement réactif. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait des rechutes. Hein. Et quelle consommation ? Certains parents vont vous dire, non, mais j'en utilise tous les jours, j'y arrive pas, j'en mets pas trop. Et vous leur demandez combien de tubes vous avez utilisé. Bah, mon tube de diprozone, pour citer la diprozone, mais c'est vrai pour tout dermocorticoïde, me dure 6 mois. 6 mois, c'est un tube de diprozone, c'est 30 grammes. Pour couvrir un corps d'adulte, il faut 20 grammes. Donc, vous voyez la consommation, un nourrisson, c'est 5 grammes. Donc, un tube de 30 grammes en 6 mois, ce n'est pas de la résistance, c'est juste de l'insuffisance de traitement. Hein, donc, il faut vraiment, avant de parler de vraie résistance aux traitements locaux, évaluer tous ces paramètres. Donc, il y a vraiment une phase d'éducation. Et je me souviens, c'est Marie-Hélène Richard, qui est chef de service à Marseille, qui, sur l'acné, avait dit, une première consultation d'acné, c'est épouvantable. On passe une demi-heure à expliquer l'isotrétinoïde. Mais c'est un investissement sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on va passer un peu plus de temps lors de la première ou de la deuxième consultation pour expliquer la maladie, pour expliquer les traitements, pour ajuster la thérapeutique. Mais si c'est bien compris, sur les consultations suivantes, ça va durer 5-10 minutes. Moi, je vois des enfants, je suis sidéré. J'ai passé 20 minutes la première fois, je les revois 4 mois après, il n'y a plus rien. Combien de tubes de dermocorticoïdes vous avez utilisés ? Ben, un demi-tube par mois. C'est-à-dire qu'un enfant de 2-3 ans, en 4 mois, n'a plus rien avec un demi-tube de diprozone, mais c'est gagné. Et là, je dis aux parents, bon, ben, je vous laisse gérer, vous savez mieux gérer votre enfant que moi, parce que moyennant une faible consommation de dermocorticoïdes, la dermatite atopique est parfaitement contrôlée. Hein, donc, bien expliquer ce que c'est que la maladie, ce n'est pas, je vous rappelle, ce n'est pas une maladie allergique, il peut y avoir des phénomènes allergiques, mais le primum movens de cette maladie n'est pas une maladie allergique, c'est un trouble plus un trouble de la perméabilité épidermique qui crée une hypersensibilité à tout un tas de stimuli. Ces stimuli, c'est la poussière, ce sont les acariens, peut-être la farine. Il y a des cas notamment d'enfants qui habitent près de boulangeries, donc la farine qui est volatile peut le favoriser. C'est l'atmosphère sèche. Alors, je sais qu'à Casa, je crois que vous n'avez pas de chauffage, parce qu'il fait toujours chaud à Casa, mais en France, là, ce matin, il faisait moins 2 degrés, on chauffe. Bah, si vous chauffez à 18-20 degrés, l'atmosphère dans la maison est extrêmement sec et ça va agresser la peau de l'atopique. Donc, il y a tout un tas de stimuli extérieurs. Donc, il faut aussi expliquer l'évolution, que c'est chronique, que ça évolue par poussée, que ça tend à s'améliorer avec le temps pour toujours, moi je trouve, avoir un discours positif, quelle que soit la maladie. Plus. Donc, la dermatite atopique, vous savez, il y a une composante génétique, trouble de la perméabilité épidermique, on en a déjà parlé, hypersensibilité, on en a déjà parlé, des facteurs externes, l'irritation, les allergies, l'émotion, le stress, les infections, on va y revenir avec le Covid. Moi, j'ai vu des grandes poussées de dermatite atopique après infection par Covid chez des enfants et chez des adultes. C'est vrai pour la dermatite atopique, mais j'ai vu la même chose avec le psoriasis, par exemple. Hein, donc, tous ces stimuli externes peuvent déclencher des poussées. Et donc, bien dire que ce n'est pas une maladie allergique. Vous savez que la dermatite atopique rentre dans le cadre de l'atopie au sens large, et vous avez à chaque session de la CPP, chaque congrès de la CPP, des présentations sur l'asthme, des présentations sur les allergies alimentaires, et tout ça, c'est un même spectre de maladies. La question qui se pose et qu'on nous pose parfois, c'est j'ai vu sur Internet, mon enfant a de l'eczéma, donc il va faire de l'asthme. Donc là, grosse stress, parce que l'asthme reste une maladie mortelle, malheureusement. J'aime beaucoup ce diagramme, qui montre que c'est finalement que le profil évolutif, classiquement, on fait une dermatite atopique, on peut avoir un asthme ou un équivalent. Plus tard, on aura une rhinite, une rhinoconjonctivite, on peut aussi avoir des allergies alimentaires. Mais on peut faire une dermatite atopique sans faire d'asthme, juste avoir de l'eczéma. On peut aller directement vers la rhinite. On peut d'emblée avoir une rhinite sans avoir de dermatite atopique. Et ce n'est pas parce qu'on a une dermatite atopique qu'on va faire de l'asthme. Donc, statistiquement, oui, mais au niveau individuel, on ne peut pas prédire, on n'a pas de moyen de dire à des parents qui ont un enfant avec une dermatite atopique à 3, 4, 6 mois que cet enfant va faire de l'asthme. Il a un sur-risque. Alors, moi, je les rassure, je lui dis, mais attendez, s'il fera de l'asthme, ce n'est pas un problème, on sait le traiter, et puis il sera largement le temps de le prendre en charge, mais il n'y a rien à faire en amont. Vous savez qu'à un moment, on avait discuté l'utilisation long cours d'antihistaminique, ça n'a pas été vraiment validé. Donc, pas d'intérêt d'alerter les parents, de les inquiéter. C'est le même spectre, mais ce n'est pas parce qu'on a l'un qu'on aura l'autre. Donc, que faire ? Que faire ? Rapidement, on va revoir un peu la prise en charge de la dermatite atopique. Il y a vraiment cette phase d'éducation qu'on a déjà vue.
les émollients, ça c'est la base du traitement de la dermatite atopique, associé aux corticoïdes. Les corticoïdes, c'est le traitement de la poussée. L'émollient, c'est vraiment le traitement non seulement de la poussée, mais le traitement préventif de la dermatite atopique. Et se discute d'ailleurs la mise en place de traitements dits proactifs. Donc, l'éducation, expliquer la maladie, on l'a déjà vu. Donc, je pense que vous aurez les diapos. Hein. Je ne sais pas comment ça va se passer en termes de diffusion. Moi, je ne vois pas d'objection à ce qu'on vous donne ces diapositives, évidemment. L'éducation, c'est tout ça. Premièrement, les vêtements. On va préférer le coton, alors ou la soie, mais c'est vrai qu'au quotidien, la soie chez les enfants, c'est pas très classique. Et éviter tout ce qui est laine synthétique à même le corps. À même le corps, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre du coton. Puis, moi, je vois des gamins qui font du foot, mettre un maillot de foot au-dessus, c'est pas gênant, ils sont tous en synthétique. Des petites choses, couper les étiquettes. Si ça gratte, déjà, même qu'on n'a pas d'dermatite atopique, certaines étiquettes grattent. Donc, proposez-leur de couper les étiquettes. Chez les tout-petits, mettez les body à l'envers. Ça évite d'avoir les coutures à l'intérieur. Les coutures peuvent être prurigineuses. Chambre, évitez les excès thermiques. Alors, à Casa, ce n'est pas trop le problème parce qu'il fait volontiers chaud, au Maroc en général, hein, chaud et plutôt humide en termes d'atmosphère. Donc, il n'y a pas ce problème de chauffage. Pas d'animaux avec poils, chat, chien, lapin, hamster dans la chambre. Alors, culturellement, en France, ça se fait beaucoup. Je crois que c'est un peu moins fréquent au Maroc. Mais il ne faut pas hésiter à poser la question. Évitez les nids à poussière. Et ça, j'insiste, tout le monde pense au tapis, tout le monde pense au double rideau, mais les enfants vont avoir 10 peluches au pied du lit, donc il faut enlever les peluches. Les peluches, ce sont des sources d'acariens et donc d'irritation potentielle. Aérer, alors ils conseillent d'humidifier la chambre. Moi, je ne le fais pas, hein. Je vous le dis tout de suite, je trouve que c'est souvent dangereux, surtout qu'il y a beaucoup de chauffage électrique. Donc, il y a des humidificateurs qui coûtent la peau des fesses. Là, la semaine dernière, j'ai eu une patiente qui m'a demandé si elle pouvait humidifier. Je lui ai demandé quel type de chauffage elle avait. Ben, elle avait un chauffage qui n'était pas électrique. Donc, je lui ai dit, dans ce cas-là, vous mettez un tupperware avec de l'eau dedans et ça suffira largement. L'hygiène, savon sur gras, Saint-Dette. Alors, on a toute une gamme de savons sur gras de très bonne qualité ou de Saint-Dette avec toutes les gammes de cosmétiques qui sont à notre disposition. Mais il faut savoir que le savon Dove en supermarché sur des dermatites atopiques pas trop sévères est largement suffisant et surtout beaucoup moins onéreux. C'est important parce qu'il y a des études qui ont montré que ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui va coûter à la famille après la prise en charge par la sécurité sociale ou les mutuelles ou les assurances en fonction du type de couverture sociale que l'on a, est de plusieurs centaines d'euros par an. Donc, au Maroc, ça va être le même problème. Donc, le reste à charge est important si on veut que la prise en charge soit de qualité. Donc, on peut tout à fait proposer des produits pas trop onéreux. Donc, douche, bain quotidien, certains vont vous dire qu'il faut en faire une fois tous les deux, trois jours. Non, il n'y a pas de raison. Les enfants ont le droit d'être propres et ce n'est pas la douche ou le bain qui vont dégrader la dermatite atopique, sous réserve au cas de poussée, qu'il soit plutôt court, max 5-10 minutes, et pas trop chaud, plutôt 33 degrés. Certains parents vous regardent avec des grands yeux, 33 degrés, ça leur semble épouvantable. Alors moi, je les rassure, je leur dis, quand vous mettez votre enfant dans le bain, il reste combien de temps dans le bain? Oh là, il reste 20 minutes, une demi-heure. Ben, au bout d'une demi-heure, le bain, il est à la température ambiante, c'est-à-dire 20 degrés, et l'enfant s'amuse toujours autant. Ce n'est pas 33 degrés, ça peut paraître frais qu'on n'a pas l'habitude, mais pour un enfant, ça ne pose aucun problème. Donc, on évite aussi les assouplissants. Vous savez que les assouplissants dans la lessive ne sont pas rincés. Donc, on va éviter parce que ce sont des parfums, ce sont des agents chimiques potentiellement sensibilisants. La lessive, a priori, il n'y a aucun problème. On va éviter le contact avec le tabac aussi. Le tabac va plutôt assécher la dermatite atopique. Le soleil est bénéfique sans excès, évidemment, puisque ça reste un carcinogène, même si on a une dermatite atopique, mais en dehors des poussées. Beaucoup d'enfants, semble-t-il, et d'adultes expriment des souffrances quand ils sont poussés et quand ils s'exposent au soleil et à l'eau. Donc, l'idéal, en fait, c'est de contrôler la dermatite atopique avant l'exposition solaire. Et là, le soleil va entraîner un bénéfice sur la prise en charge. Alors que s'il est en pleine poussée, non seulement il va en souffrir, parce que ça va l'irriter, notamment par la sueur, par exemple, la sueur qui est très, très irritante sur une dermatite atopique, mais aussi ça risque de lui laisser des taches dépigmentées avec le bronzage. Donc, éviter en cas de poussée, mais très bénéfique si l'enfant est contrôlé auparavant. Alors, on a des associations de patients en France, je ne sais pas s'il y en a au Maroc. Moi, j'ai moins de contact avec cette association, plus avec celle du psoriasis, qui je trouvais très, très proactive et c'est très intéressant. Donc, aucun impact des modifications alimentaires, des matelas, des housses anti-acariens, des traitements de l'eau, de l'allaitement ou de l'arrêt de l'allaitement. Là, vous pouvez tout à fait rassurer les parents.
c'est pas parce que madame arrête l'allaitement parce qu'elle reprend le travail et que l'enfant développe une dermatite atopique que c'est lié au changement de lait, aucun rapport. Vous pouvez vous appuyer, il y a des documents qui sont à disposition, vous pouvez trouver sur Internet, qui peuvent aider dans l'éducation. Moi, j'aime beaucoup ce livre, Arrête de te gratter, alors, qui est disponible sur Amazon à 11 euros, je crois, donc tout le monde peut se le procurer. C'est écrit par un Nantais, Jean-Marc Chavigny, un gars vraiment très, très bien, qui s'occupe beaucoup de la dermatite atopique. Et alors, honnêtement, moi, je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses, donc n'hésitez pas vous-même à le lire. Parce que dans votre discours, c'est très intéressant. Il y a plein de petits trucs à expliquer aux parents, comment aborder l'enfant, comment aborder tout un tas de questions auxquelles on ne pense pas forcément a priori. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment remarquable. C'est écrit avec beaucoup de légèreté, donc ça fait du bien aussi. Donc, je vous rappelle les émollients, toujours lors des poussées, en prévention en dehors. Moi, j'évite de le mettre avec les dermocorticoïdes. Si vous devez mettre les deux, mettez le dermocorticoïde une demi-heure, trois quarts d'heure après l'émollient. En général, moi, j'essaie de faire le matin et le soir pour que ce soit vraiment dissocié. Le danger, si vous mettez les deux en même temps, c'est de diluer le principe actif. Le danger, si vous mettez l'émollient avant, c'est que vous créez une barrière liée au caractère lipophile, très très gras finalement des émollients. Vous mettez le dermocorticoïde dessus qui va être plutôt lipophile, donc ça peut créer des problèmes d'absorption. L'émollient choisi avec les parents, parce que souvent, quand moi ils arrivent chez moi, ils en ont déjà testé plusieurs. Sur peau légèrement humide, donc l'idéal c'est après le bain, parce que c'est mieux absorbé à ce moment-là, et sans limite. Hein, ça, vous pouvez en mettre deux, trois fois par jour. Aujourd'hui, on a des arguments pour dire que si on hydrate un enfant à fort risque de dermatite atopique, exemple, les deux parents ont de l'eczéma, des frères et sœurs ont de l'eczéma, l'enfant suivant aura un fort risque de développer cette dermatite atopique, et bien on peut lui mettre des émollients dès les premiers jours de vie, pendant la première année de vie, tous les jours, et ça prévient la survenue d'une dermatite atopique. Donc, c'est assez intéressant. Lequel ? C'est toujours la question, est-ce que vous avez un nom ? Oui, enfin, moi, j'en ai plein de noms. Ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des laits, des crèmes, des baumes, des cold cream, etc. Et qu'on va adapter un peu le caractère très gras de l'émollient à la peau. Une peau très sèche, on préfère un cold cream, un cérate, par exemple. Une peau pas trop sèche, il faut mettre de l'émollient. On peut préférer un lait ou une crème qui sont moins gras et donc plus agréables pour les parents et plus agréables pour l'enfant. Alors, je vous parle juste du concept d'émollient plus, parce que alors, je suis surpris, pour l'instant, on n'entend pas trop parler. C'est dans les dernières recommandations de l'Association européenne de dermatologie où ils ont parlé du concept d'émollient plus. Et vous devez avoir déjà vu des laboratoires de cosmétiques qui vous disent « moi, j'ai ça en plus, j'ai ça en plus ». Donc, la société savante a essayé de classer les émollients classiques, type d'Exeril, par exemple, ou un cold cream de base, par rapport aux émollients des industriels. Bon, ça ne change pas grand-chose dans notre prise en charge au quotidien. Donc, le dermocorticoïde, c'est le traitement de référence de la poussée. Je vous rappelle que c'est efficace en 24 heures sur le prurite, sous réserve d'utiliser un dermocorticoïde adapté. Personnellement, je ne mets jamais de dermocorticoïde d'activité modérée, type tridésonite ou locapride. Pourquoi ? Pour une raison très, très simple. Plus vous allez mettre quelque chose de faiblement efficace, plus vous aurez à en mettre pour être efficace. Et donc, à terme, vous en utiliserez beaucoup plus. Alors que, et en plus, l'enfant sera inconfortable. Si vous mettez un fort, vous serez très rapidement efficace, l'enfant sera confortable, et au bout de 2-3 jours, vous arrêterez votre traitement. Donc, utilisez un fort, même sur le visage, même sur les paupières, il n'y a aucun problème. Le dermocorticoïde est mieux absorbé, donc sera encore plus efficace. Donc, sur un visage, vous allez mettre une fois, il n'y aura plus rien. Point. Donc, quel que soit l'âge, visage compris, un seul produit sur l'ordonnance. Un seul produit. Moi, j'ai vu des ordonnances faites par des collègues où on met un fort à un endroit, un faible à un endroit, une activité modérée à un autre, un antibiotique local sur une autre localisation. Moi, je me mets à la place des parents. Mais l'ordonnance, il faut Bac plus 10 pour la comprendre, quoi. Parce qu'en plus, on vous dit le matin et le soir, mais le matin et le soir, on vous dit après le bain, avant le bain. C'est incompréhensible. Donc, plus l'ordonnance sera simple et adaptée, efficace, plus meilleure sera l'observance. Donc, je crois qu'il faut vraiment l'intégrer ça. Moi, je préfère les crèmes en général. Vous savez que les pommades sont un peu plus hydratantes. Et par exemple, la diprosone pommade, c'est de la vaseline. Donc, c'est bien la vaseline parce que c'est absolument pas allergisant. Par contre, mettez-vous de la vaseline sur le corps, c'est insupportable, c'est trop gras et puis ce n'est pas un bon émollient. Une fois par jour, maintenant, c'est démontré que deux fois par jour ne sert à rien. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la dermatose. Une fois par jour. Et en fait, il y a un effet réservoir dans les couches superficielles de l'épiderme, la couche cornée, qui fait que le dermocorticoïde est relargué sur 24 heures.
Donc, dermocorticoïde fort, un seul produit, en format crème, une fois par jour, avec cette phrase clé, jusqu'à disparition complète des lésions. Sauf si les gens ne comprennent rien. Dans ce cas-là, vous fixez 3 jours, 5 jours, 7 jours. Mais les gens comprennent ce que ça veut dire jusqu'à disparition complète des lésions. C'est clair, l'enfant ne se gratte plus, l'érythème a disparu, l'hyperpigmentation sur peau pigmentée s'est atténuée. Donc, ça, les gens comprennent très, très bien. Donc, à l'inverse de, par exemple, moi je vois encore des ordonnances pendant 7 jours. Pourquoi mettre 7 jours de dermocorticoïdes alors que 2 jours suffisent? Pourquoi imposer 3 jours alors que parfois il en faut 5 sur des eczémas annulaires? Donc, vous voyez, c'est plus simple. En plus, sur un corps, vous avez vu l'enfant Arthur, il a des zones très peu inflammatoires, des zones très inflammatoires, des zones numulaires. Donc, en fonction des localisations, il va falloir des durées différentes. Donc, ça ne sert à rien de mettre pendant 5 jours sur tout le corps, alors qu'au bout du 4e jour, il y aurait peut-être besoin que sur 2 ou 3 plaques. Le dermocorticoïde, c'est un moyen aussi de faire une épargne cortisonnée. Donc, vraiment, jusqu'à disparition complète des lésions, ce n'est pas prise de tête pour les parents. Les parents donnent le bain, ils regardent où il y en a. C'est très simple. Donc, le soir après le bain sur peau encore humide, et j'explique toujours pourquoi, 2 raisons. La peau humide absorbe mieux le dermocorticoïde, donc ce sera plus rapidement efficace, donc vous en mettrez moins. Bon, ça passe assez bien. Et le deuxième, c'est quand la peau, quand l'enfant sort du bain, bain 33 degrés, je vous rappelle que la température de la peau, c'est 25 degrés. Donc, un bain à 33 degrés va entraîner une vasodilatation et donc les parents voient mieux les plaques, surtout sur les peaux claires, évidemment. Et ça, ils le comprennent très bien parce qu'ils l'ont déjà identifié en général. Donc, utilisez vraiment ce après le bain ou après la douche, hein, en fonction de l'âge et puis des habitudes. Ça marche très bien. Donc, plus de décroissance. On peut faire un traitement proactif si les plaques sont récurrentes, toujours au même endroit. Les plaques qui vont toucher les creux poplités et les plis du coude. Donc, les creux poplités et les plis du coude, tout le temps, localisation isolée. Vous pouvez tout à fait, 2 fois par semaine, soit 2 jours de suite, soit 2 jours séparés dans la semaine, dire quand ça va mieux, vous en mettez systématiquement 1, 2, 3 fois par semaine pour éviter les rechutes fréquentes. Et ça marche finalement pas mal. Hein. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Avec différentes thérapeutiques, ça peut fonctionner. Et précisez toujours le nombre de tubes. En France, je pense que c'est pareil au Maroc. Si vous ne précisez pas le nombre de tubes, c'est un tube. Point. Donc, il faut préciser le nombre de tubes par unité de temps. 2 tubes par mois, par exemple. Et réévaluer après combien de tubes ont été utilisés. Donc, les antihistaminiques, ça ne fonctionne pas, mais ça fait dormir les enfants. Donc, parfois, chez les enfants qui ont des insomnies du fait de leur prurite, c'est très, très intéressant. Arthur vous demande s'il y a un souci avec le Covid. Enfin, ce n'est pas Arthur, ce sont les parents. Vous demande s'il y a un souci avec le Covid-19 du fait de sa maladie. C'est vrai qu'en mars, on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. Il y a 2 choses. D'abord, moi, je l'ai vu tout récemment. Et là, c'était un adulte. Hein. Ce n'était pas un enfant, c'était un adulte qui a fait le Covid et dans la foulée a fait une grande poussée de dermatite atopique. Ici, vous voyez, elle est surinfectée. Donc, on peut avoir des poussées de Covid, mais comme après un Covid, une Covid, alors je ne sais pas si c'est un ou une, moi ça m'est égal, mais une infection par le SARS, mais comme après toute infection, ce n'est pas spécifique. L'autre point sur lequel on n'est peut-être pas assez sensibilisé, et nous on a fait un travail, mais sur le psoriasis, et c'est tout à fait transposable dans la dermatite atopique, c'est que beaucoup d'enfants, et dans le psoriasis, c'est 1/4 des enfants, ont eu des difficultés à respecter les règles sanitaires du fait de leur dermatose. Et il faut bien comprendre qu'en cas d'atteinte des paumes et même du dos des mains, les enfants souffrent s'ils mettent des solutions hydroalcooliques, c'est alcoolisé. Donc, mettre de l'alcool sur des plaies, c'est juste insupportable, ça brûle. Donc, il faut être très, très vigilant. Moi, j'ai fait des certificats pour l'école en disant, du fait de sa maladie, cet enfant ne doit pas utiliser de solution hydroalcoolique. Je pense que ça dégrade en plus l'eczéma. Et donc, il faut préférer le savon. Alors, j'explique à l'enfant que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il se lave et que finalement, lui, il est content parce qu'il est exonéré de sa solution hydroalcoolique, mais je lui explique que c'est presque une sanction. Parce que c'est beaucoup plus simple de se mettre une solution hydroalcoolique que d'aller se savonner, se rincer, se sécher. Et méfiez-vous aussi des atteintes rétro-auriculaires et sous-auriculaires. Parce que les enfants sont douloureux avec le masque. Je l'ai vu aussi chez des adultes. Donc, il faut vraiment être vigilant et bien identifier ces problèmes pour que les enfants ne soient pas en difficulté à l'école ou dans la rue, tout simplement. Donc, aucune contre-indication au vaccin, évidemment. La dermatite atopique ne doit jamais être une justification, une non-vaccination. Et c'est vrai aussi, c'est tout à fait vrai avec le Covid.
Donc, Arthur revient 6 mois après avec ses petites lésions papuleuses, des plis du coude. Vous voyez, elles sont intéressantes, elles sont vraiment sur les plaques de dermatite atopique. Et vous les avez tout de suite identifiées, ce sont des molluscomes contagieuses. Et ça, c'est un motif qui n'est pas rare de consultation, parce que qui dit molluscome dit infection. Donc, on a peur de mettre des dermocorticoïdes. Parce que dermocorticoïdes, on a appris que ça favorisait des infections. Ce n'est pas vrai pour le molluscome. D'autre part, ne pas traiter une dermatite atopique avec des molluscomes, c'est aider l'enfant à se gratter, c'est ne pas l'empêcher de se gratter. Et on sait très bien que le molluscome est contagieux entre enfants, mais est auto-contagieux tant qu'on ne s'est pas immunisé. C'est-à-dire que si vous le laissez se gratter, il va disséminer ces molluscomes. Donc, ça va être encore plus difficile à gérer, enfin, si on les gère, évidemment. Donc, juste quelques rappels cliniques. Je suis très surpris par le grand polymorphisme lésionnel des molluscomes. On a les molluscomes classiques, comme je vous ai montré, mais on a des formes pseudo-tumorales, comme ici, des formes micro-papuleuses, microscopiques, des formes kératosiques, des formes inflammatoires. Ça, moi, je les rassure toujours. Hein. La forme inflammatoire, c'est plutôt une forme d'immunisation contre le poxvirus, et donc plutôt une phase de fin de molluscomes. Enfin, d'histoire de la maladie à molluscum. On a des formes pédiculées, beaucoup plus rares, que j'ai vues essentiellement moi, au niveau génital. On a des formes qui ressemblent à des varicelles, et ça, je me souviens, parce que celle de gauche, c'est un patron de dermatologie pédiatrique qui m'a envoyé, me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette éruption qui ressemble à une varicelle, mais non, c'était des molluscums profus. On a des formes acnéiformes, inflammatoires sur le visage. On a des formes très étonnantes qui ressemblent à des dermites périorales, périorificielles. Excusez-moi. On a des formes pseudo-condylomateuses et cela m'ennuie beaucoup parce que si on parle de verrues périanales, de verrues génitales, se pose toujours la question d'une maltraitance à enfant, soit d'attouchement à caractère sexuel, soit de vraie maltraitance à enfant. Avec les molluscomes, on ne se pose pas cette question parce que ce n'est pas une maladie considérée comme sexuellement transmissible. Hein, donc là, il n'y a pas d'enquête à faire chez ces enfants-là, contrairement donc aux verrues génitales. Donc, je vous rappelle la prise en charge. Alors, s'il y a un mot-clé, c'est la patience. Et moi, je refuse de voir des molluscomes à ma consulte. Je considère que ce n'est pas la vocation d'une consultation hospitalière de voir des molluscomes contagieux aux hommes. Sans aucun mépris, je considère que c'est de la médecine de ville, qu'elle soit dermatologique, médecin généraliste ou pédiatre. Pas besoin d'attendre 4 mois d'un délai de consultation. Surtout que le message, ça va être abstention, pour moi, le plus souvent. On ne fait pas de l'abstention, on ne dit pas « je ne traite pas ». On explique pourquoi on ne traite pas. Ça, c'est très, très important parce que si vous dites « non, non, les molluscomes, ça ne se traite pas, ça va guérir », vous êtes sûr qu'ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Il faut expliquer que c'est une maladie qui est ubiquitaire, qui est obligatoire, qu'on va s'immuniser, que c'est lié au poxvirus, comme la variole, on vaccine plus les enfants, donc poxvirus, etc., etc. Et que c'est bénin, que ça va, il n'y a aucun problème et qu'il faut être patient. Donc, si vous expliquez ça, en général, ça passe assez bien. Donc, c'est d'autant plus intéressant que les molluscomes sont profus, parce que là, on est vraiment dans la difficulté thérapeutique, qu'il y a des zones difficiles à traiter. L'exemple, et moi, j'ai eu plusieurs cas, par exemple, de molluscomes sur le bord libre des paupières. Ça, je peux vous garantir que je n'ai aucun traitement à proposer aux enfants. Et que l'enfant est petit. L'enfant est petit, vous n'allez pas l'agresser. Donc, il y a des traitements d'attente. Moi, j'aime bien, et ça, c'est M. De Prose qui proposait ça. M. De Prose, c'est l'ancien chef de service de dermatopédiatrie de Necker, qui proposait le tamponnement à la bétadine. Je trouve que c'est très, très bien quand il n'y en a pas trop. En plus, ça crée un rituel le soir. Et je trouve que c'est intéressant. Et ça peut être un gros effet placebo. Donc, c'est intéressant. L'homéopathie, mais pourquoi pas? Moi, je ne suis pas du tout pour l'homéopathie. Alors là, sur les verrues, sur les molluscomes, mais surtout, prescrivez de l'homéopathie. Ça marchera toujours, puisque ça va régresser. Donc, vous avez tous ces petits traitements d'attente. Alors, vous avez des traitements médicaux qui peuvent être efficaces. Alors, moi, je ne suis pas fan, honnêtement. Vous avez les kératolytiques Mutrex mollusderm, qui sont des acides, qui sont extrêmement agressifs. Et j'aime bien montrer cette photo d'une petite qui avait mis du Mollutrex ou du mollusderm. Moi, j'ai mis mollusderm, je ne sais plus, là. Mais qui a développé des cicatrices hypertrophiques au niveau de ces zones. Pourquoi? Parce que c'est irritant, ça crée de l'inflammation, une érosion, voire une ulcération. Donc, vraiment, moi, je suis totalement contre. Ce que j'essaye parfois, quand il y a, par exemple, sur la dermite périorificielle, ce sont des rétinoïdes locaux. Vous savez que les rétinoïdes, ce sont des kératorégulateurs qui vont arrêter la prolifération des kératinocytes et la maturation des kératinocytes.
Or, le molluscum, c'est une prolifération de l'épiderme, hein, très localisée, d'origine virale. Et donc, je trouve que ça marche pas mal. Mais surtout, ce que je dis, et c'est peut-être malhonnête, vous allez me dire, c'est que ça marche tout doucement. Il faut attendre un mois, deux mois, trois mois avant de juger de l'efficacité. Donc, c'est bien parce que là, soit ils vont voir quelqu'un d'autre, soit ça a vraiment marché. Mais en pratique, je trouve que c'est une bonne alternative, pas très dangereuse. Alors, quel kératolytique, quel rétinoïde se utilise dans l'acné? L'adapalène, la différine, par exemple, ou la trétinoïne, les faclars, par exemple. Alors, exceptionnellement, et pas tellement chez les petits-enfants, mais par exemple, dans les molluscums de l'immunodéprimé, ça m'arrive d'utiliser des rétinoïdes type le soriatane. Il avait été rapporté la cimétidine. Ça, j'utilise moins, je suis plutôt sur des rétinoïdes par voie systémique. Alors, le curetage, je sais que beaucoup de collègues le font. Je trouve que les enfants n'aiment pas. Je pense que ça ne fait pas mal. Mais vous, déjà, ça ne fait pas mal, mon medlem là. Donc, vous voyez toute l'ambivalence déjà de notre discours. Non, vous dites, l'enfant, ça fait pas mal, mais on va mettre quand même un anesthésion. Donc, l'enfant ne comprend pas forcément, il a raison, c'est pas très logique. Il faut être entraîné, hein, c'est vraiment un petit coup. C'est simple qu'on a l'habitude. Et il faut que l'enfant ne bouge pas. Parce que si vous curetez et que l'enfant bouge, vous voyez que ça ne marchera pas. Et dans mon expérience, vous le faites une fois, ça marche, ça se passe très très bien, l'enfant serre les dents. La deuxième fois, vous voyez qu'il appréhende et la troisième fois, il hurle. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas forcément douloureux, mais en tous les cas, il a très mal vécu le curetage. Et il y a une explication, c'est quand vous curetez, ça saigne tout le temps. Et je pense qu'un enfant chez qui vous curetez une vingtaine de molluscums, qui voit du sang partout, eh ben, il est impressionné, ça, je peux le comprendre. Donc, curetage, méfiez-vous, moi, je ne suis pas fan non plus. Donc, s'il y a 2-3 molluscums, c'est un enfant de 7-8 ans, ça peut se faire, mais pas sur des molluscums profus. Chez un petit enfant. Donc, moi, personnellement, c'est plutôt abstention ou bétadine. Dans les molluscums, qu'est-ce qu'il y a là? Dans la DA, c'est beaucoup plus fréquent, les molluscums. Pourquoi? Parce que les enfants se grattent. Donc, ça dissémine plus, c'est plus difficile à traiter parce qu'on a moins envie d'être agressif sur une pointe pique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dermocorticoïdes et les émollients n'aggravent pas les molluscums. Alors que le tacrolimus, je crois que vous avez l'élidèle au Maroc, le pimécrolimus, là, ça va aggraver les molluscums. Hein. On a vu des molluscums profus. Là, ce sont des exemples issus de la littérature, moi, je n'en ai pas en photo. Donc, dissémination ou apparition de molluscums sous inhibiteur des calcineurines. Donc, à éviter. Arthur revient encore. Et là, c'est la catastrophe. Vous voyez, il a la peau sèche. Et puis là, ces érosions mélicériques. Donc, érosion mélicérique, on dit mélicérique, caractère orangé des croûtes, c'est un impétigo. Donc, impétigo, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, on en parlait encore il y a 2-3 jours avec des collègues de la gestion de l'impétigo. Maintenant, c'est très, très bien codifié. C'est une maladie qu'on connaît très bien. C'est juste parfois le diagnostic qui peut être un peu difficile à faire. Donc, je vous rappelle, c'est une infection à streptocoque ou staphylocoque, très fréquente, très contagieux, autocontagieux et hétérocontagieux, sans aucun signe généraux, c'est un enfant qui n'est jamais fébrile. Et ce qui est intéressant, et là, je vous le rappelle juste en une demi-diapositive, c'est qu'on connaît la cible de la toxine, l'exfoliatine, qui est impliquée dans l'impétigo, mais qui aussi est impliquée dans la nécrolyse épidermique staphylococcique, c'est la desmogline 1. Et la desmogline 1, c'est une protéine qui intervient dans la cohésion des kératinocytes au niveau des desmosomes. Et ce qui est intéressant dans la desmogline 1, c'est qu'elle est sur la peau, mais elle n'est pas sur les muqueuses. À l'inverse de la desmogline 3, qui est une autre protéine impliquée dans les desmosomes et qu'on trouve dans les muqueuses. Et ça explique pourquoi dans l'impétigo et dans la nécrolyse épidermique staphylococcique, on n'a jamais d'atteinte muqueuse. Parce que la cible de la protéine ne touche que l'épiderme sur le versant cutané. Et c'est ce qu'on va voir par exemple dans le pimphigus superficiel, qui est une forme de pimphigus assez rare chez l'adulte. On a une forme tunisienne qui est assez fréquente. C'est la même cible, et dans le pimphigus superficiel, il n'y a jamais, ou quasiment jamais, d'atteinte muqueuse. À l'inverse du pimphigus vulgaire, où il y a toujours quasiment une atteinte muqueuse. Donc c'est intéressant parce que ça fait des très très jolis papiers, hein, qui maintenant datent d'une vingtaine d'années, mais on comprend vraiment la physiopathe de l'impétigo. Donc, je vous rappelle, l'impétigo, c'est une lésion qui est vésiculeuse, c'est un clivage, donc il y a une rupture des ponts interkératinocytaires, de la cohésion. Donc, stricto sensu, l'impétigo, c'est une bulle
qui n'est jamais bulleuse. Pourquoi? Parce que c'est une couche, c'est une atteinte très superficielle, donc la bulle se rend tout de suite. C'est très, très rare qu'on voit des impétigos avec des bulles. Mais ce qu'on va voir, c'est la peau qui se décolle en périphérie avec un aspect parfois un peu en linge mouillé, qui est le témoin de, de ce décollement. Donc, il existe des formes plus ou moins bulleuses. On parle d'impétiginisation, c'était le cas d'Arthur, puisque c'est la surinfection d'une dermatose préexistante, et d'ectyma dans des formes beaucoup plus profondes qui peuvent entraîner des cicatrices. Donc ça, c'est l'impétigo classique, périorificiel, mélicérique. Ça, c'est ce que vous allez voir, vous, au quotidien, hein, avec l'atteinte périnasale, l'atteinte péribucale. Une forme bulleuse, et celle-là est intéressante parce que vous voyez cet aspect en linge mouillé, hein, qu'on voit en périphérie des lésions qui sont arrondies. Et ça, c'est très classique dans les formes bulleuses et qui vont disséminer de proche en proche. Celle-là est très particulière parce qu'il y a une composante très inflammatoire, beaucoup plus profonde et très, très douloureuse. Donc ça, c'est un des rares, c'est le seul impétigo où j'ai vraiment vu les bulles. C'est un enfant qui, vous voyez, avait un ectyma ici, qui avait une forme très, très bulleuse. Il suffisait de rompre la bulle. Et ce qui est très intéressant, parce que cette photo est très impressionnante. Et c'est une de mes assistantes qui avait vu cet enfant qui m'a appelé un peu paniqué. Et on a nettoyé toutes les plaies, on a rompu les bulles. Et je vous promets, en 3 jours, cet enfant était quasiment réépidermisé. C'est assez étonnant. Parce qu'on se dit, mais c'est creusant, c'est grave, etc. Non, et c'est vraiment le témoin de l'atteinte extrêmement superficielle de l'impétigo. La desmoglyne 1 s'exprime dans les couches superficielles de l'épiderme, alors que la 3 s'exprime dans les couches profondes de l'épiderme. Donc, voici un ectyma. Alors, cet enfant venait pour une urticaire. Et vous voyez l'ectyma qui donne une espèce d'impétigo chronique, un peu plus profond, plus croûteux, avec risque de cicatrice. Là, une impétiginisation d'une varicelle, mais on retrouve le caractère mélicérique. Et chez ce jeune qui avait une varicelle extrêmement profuse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment ce caractère périorificiel. Donc, avant de traiter, il est conseillé, dans les recos qui viennent d'être publiés, je crois que c'est l'an dernier, en France, sur le traitement des maladies inflammatoires, on en avait discuté, parce qu'il y a plus d'un an, parce qu'on en avait discuté déjà au congrès l'an dernier de ces recommandations, donc c'était en 2019, non pas en 2020. On différencie l'impétigo localisé, enfin peu sévère, pardon, des formes graves d'impétigo. L'impétigo peu sévère, peu étendu, forme localisée, c'est moins de 2% de la surface cutanée, moins de 6 lésions, avec une extension peu rapide. Alors, moi, je ne suis pas fan de cette définition parce que je pense que vous montreriez des photos à tout un tas de dermatologues, de pédiatres ou de généralistes. Et c'est très, très difficile de définir une surface cutanée atteinte dans un impétigo. Déjà, la surface cutanée atteinte, il faut bien comprendre que c'est 2% de la paume des mains, alors que chez adulte, c'est paume et doigts. Donc déjà, cette définition, elle est assez compliquée, et c'est la paume de l'enfant, pas votre paume à vous, évidemment. Moins de 6 lésions, on va voir des photos, moins de 6 lésions, c'est parfois difficile à définir. Sans extension rapide, il n'y a pas de définition que c'est qu'une extension rapide. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise, je vous avoue, hein, avec cette définition. Donc là, il n'y a pas besoin de définir, ce sont des formes peu sévères. Mais là, il y a combien de lésions? J'en sais rien. Est-ce que c'est, on compte une, deux, ça c'est la même? Je ne sais pas. Ça, combien de lésions? Je ne sais pas. Bon, là, il n'y a qu'une. Il n'y a qu'une lésion, là, il n'y a qu'une lésion aussi. Ça, ce sont des formes sévères, mais il n'y a pas besoin de compter les lésions. Ce sont des formes sévères avec un gros ectyma. Ça, c'était le petit qui avait la forme. Ça, c'est le même. Hein, qui avait, vous voyez, des ectymas plus cette forme bulleuse. Là, il y a énormément de lésions. Là, il y a une composante inflammatoire. Là, c'est très, très étendu. Là, c'est très, très étendu. Tout ça, ce sont des impétigos sévères sans qu'on ait besoin de le définir. Donc, quels sont les conseils à donner en cas d'impétigo? Ce sont des conseils d'hygiène qui sont simples. Les mains doivent être lavées tous les jours, plusieurs fois par jour. Les ongles brossés, coupés courts. Alors, si on les coupe courts, c'est mieux s'il n'y a pas à les brosser. Les douches, 1 à 2 fois par jour. Des pommades sur les croûtes. Alors, il n'y a pas besoin de mettre des pommades antibiotiques. De la vaseline suffit tout à fait. Des fins de vêtements changés tous les jours dans la mesure du possible. Enfin, de l'hygiène toute simple, en fait. Dans les formes localisées, on peut se contenter d'un antibiotique local. Dans les dernières recommandations, on ne parle que de la mupirocine. Il n'y a pas de place à l'acide fusidique. Je pense que l'acide fusidique peut avoir sa place aussi. Ça marche moins bien, je crois, sur le streptocoque, donc ça peut être un peu moins efficace. Là, il n'est pas précisé, je crois, le nombre d'applications. Dans les précédentes, il était dit clairement que 3 fois, c'est plus efficace que 2 fois par jour et pendant 5 jours. Dans les formes sévères, alors j'aime pas utiliser le terme grave, je suis désolé pour cette diapositive, je préfère utiliser les formes sévères,
Le grave, ça, c'est très anxiogène pour la famille. Donc, c'est une antibiothérapie générale de type augmentin qui fonctionne sur le staph et sur le strepto. Alors là, je n'ai pas tout repris sur l'impétigo. Il n'est pas recommandé aujourd'hui de faire un prélèvement systématique pour rechercher la bactérie. Non, moi, dans les formes sévères, il est recommandé de faire ce prélèvement bactériologique. Donc, qu'en est-il de l'impétiginisation? Il n'y a pas beaucoup d'informations. Ça, ce sont des différentes dermatoses surinfectées. Qu'en est-il de la pseudotène staphylococcique, qui est une forme d'impétigo du cuir chevelu? C'est un peu plus difficile à traiter, je trouve, personnellement. Et là, on n'a pas beaucoup d'informations dans les recommandations. Donc, moi, j'élargirais un peu ces recommandations. L'antibiothérapie générale dans les formes sévères d'impétigo, oui. Sur les dermatoses préexistantes, moi, je n'aime pas mettre un antibiotique local sur une dermatite atopique très inflammatoire. En plus, si vous mettez du mupiderme 3 fois par jour sur une dermatite atopique, quand est-ce que vous allez mettre le dermocorticoïne? Donc, en cas d'impétigénisation assez diffuse sur une gale ou une dermatite atopique, plutôt une antibiothérapie générale. Chez les gens qui ne comprennent rien, chez les gens socialement défavorisés, c'est honnêtement parfois plus simple de mettre un traitement antibiotique par voie générale, même s'il faut privilégier le local, je suis tout à fait d'accord, mais parfois, il faut quand même ne pas hésiter à le faire. Sur le cuir chevelu, moi, j'ai vraiment du mal à mettre des antibiotiques locaux. Je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, je crois qu'il ne faut pas, faut pas être dogmatique autour de ces recommandations. On peut un peu élargir les indications, évidemment. Donc, deuxième observation, Ibrahim, 6 mois, dermatite atopique depuis l'âge de 2 mois, et brutalement fièvre et altération de l'état général. Et vous voyez, cette dermatose vésiculeuse, rapidement extensible. Donc, là, malheureusement, les webinars ne permettent pas trop d'interactivité. Bon, là, vous êtes sur un certain nombre de Kaposi Juliusberg. Je vous rappelle, le Kaposi Juliusberg, c'est un herpès généralisé avec virémie qui se développe sur une dermatite atopique chez l'enfant, mais sur tout ce qu'on appelle les dermatoses acantholytiques, comme le pemphigus vulgaire, la maladie de Darié, qui sont des maladies dites acantholytiques. L'acantholyse, ce sont des maladies où il y a rupture des ponts interkératinocytaires, de la cohésion, et ça crée un aspect très particulier d'un point de vue histologique. Donc, c'est une urgence vitale. Avant la cyclovirivée, il faut savoir qu'il y a eu des décès avec le Kaposi Juliusberg. Donc, aujourd'hui, on a la cyclovirivée. Donc, c'est une urgence vitale. Le diagnostic, il est assez simple. C'est un enfant qui a 40 de température, qui a des vésicules, qui n'a pas des bulles. Qui dit vésicule en dermatologie pédiatrique dit virus, herpès, varicelle, Coxsackie et maintenant le Covid, puisque le Covid a donné des éruptions vésiculeuses. Donc, c'est le plus souvent une primo-infection, mais ça peut être aussi des récurrences. On a vu des Kaposi Juliusberg récurrents, alors plutôt chez l'adulte que chez l'enfant, mais c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la dermatite atopique avec l'herpès? Il faut conseiller, ça fait partie de l'hygiène, de dire aux parents, si vous faites un herpès, n'embrassez pas votre enfant pendant la poussée d'herpès. Et dès les premiers signes, dès que vous sentez que ça brûle, parce que vous savez que l'herpès est contagieux dès qu'on sent la petite douleur liée à l'herpès. Et ça, que l'enfant soit en poussée ou soit en latence, parce qu'on peut avoir des poussées de Kaposi Juliusberg, même en cas de latence clinique, méfiez-vous, parce que latence, on ne sait pas toujours si la peau est strictement latente. Il peut y avoir des signes d'inflammation. Pensez à l'herpès aussi sur des localisations un peu inhabituelles. Ça, c'est un exemple, le cuir chevelu, la paupière, les fesses, la vulve, les orteils, les genoux, parce que d'abord, les parents embrassent les enfants, les nouveau-nés partout, sur le ventre, sur les fesses. On peut aussi avoir des soins d'hygiène et être porteur de l'herpès sur les doigts, parce que si on a un herpès au niveau labial, qu'on s'est gratté et qu'après on nettoie un enfant, on peut contaminer l'enfant. Donc, je trouve que c'est un peu ballot de contaminer un nourrisson au niveau génital avec de l'herpès, parce qu'il peut faire des récurrences toute sa vie sans même avoir eu de rapport sexuel. Donc, rapidement, le traitement de l'herpès, c'est essentiellement eau et savon. Dans les herpès compliqués, on peut faire du valacyclovir ou de la cyclovir en fonction de l'âge. Et plus ça se dégrade, plus on va mettre de la cyclovirivée. Je passe rapidement là-dessus, on ne va pas en faire plus. Donc, Ibrahim, 2 ans et demi, la maman signale qu'après son dernier vaccin, Ibrahim a fait une grande poussée de dermatite atopique. Et ça, je vous le dis parce que l'an dernier, on m'a posé cette question et j'en ai discuté avec Robert Cohen. Que conseiller? Il a fait un vaccin, qu'importe le vaccin, il a fait une poussée. Est-ce que je peux faire un rappel? Et donc, on en a discuté avec Robert et j'ai beaucoup aimé sa réponse. Globalement, Robert Cohen n'a que des réponses de très bonne qualité, mais c'était, je trouve, tout à fait équilibré comme réponse et ça, c'est important.
Alors, est-ce que c'était une première injection? Est-ce que c'est un rappel? Si c'est un rappel, un troisième rappel, c'est pas très, il n'y a pas forcément de lien. Est-ce qu'il y a eu une urticaire? Parce que les vaccins peuvent donner des réactions de type anaphylactique ou de type hypersensibilité retardée. On ne meurt pas d'hypersensibilité retardée, on peut mourir d'un choc anaphylactique. Donc déjà, si c'est une poussée de DA, ce n'est pas très, très grave. Et on va toujours peser le rapport bénéfice-risque du vaccin. Une poussée de DA, ça se contrôle. Un vaccin évite la mort, potentiellement. On parlait, docteur Afif parlait de la rougeole. La rougeole peut donner des séquelles importantes. Donc, il va falloir toujours peser le rapport bénéfice-risque. Et ce que disait Robert, et je trouve ça très, très intéressant, c'est que s'il y a un doute, si on sent une réticence, s'il a vraiment fait une forme très, très sévère, très compliquée, eh bien, on peut doser les anticorps et là, discuter, voir est-ce qu'il faut revacciner ou pas. Donc, il ne faut pas fermer la porte tout à fait à l'imputabilité du vaccin, mais il ne faut pas non plus que ce soit une cause à la non-vaccination. Troisième observation, Mariam, 8 mois. Elle a une dermatite atopique depuis l'âge de 2 mois. Ça, c'est un cas que je n'ai pas vu, c'est un cas de téléconsultation. Elle était initialement bien contrôlée, les parents en mettent de plus en plus et c'est de plus en plus résistant. Et là, je pense que vous posez assez vite le diagnostic, malgré le caractère très atypique de cette observation. Eh bien, c'est une gale hyperkératosique, une gale dite norvégienne. Là, vraiment très, très sévère, je pense que c'est la plus sévère que j'ai vue. De dermatite atopique, de gale hyperkératosique. Donc maintenant, on connaît à peu près de mieux en mieux finalement les causes de gale hyperkératosique chez l'enfant. Et vous savez que traditionnellement, on parle de l'immunodépression, des troubles neurologiques. Par exemple, les enfants qui ont une trisomie 21 font plus volontiers des gales hyperkératosiques. Mais le principal facteur de risque aujourd'hui chez l'enfant, ça reste les traitements par corticoïdes. Je vous rappelle que ce sont des gales très, très contagieuses avec un produit qui est d'intensité variable. Ça peut être un peu surprenant. Et ce qui est caractéristique et qu'on ne voyait pas chez cette petite, c'est le caractère farineux des squames. Et je vais vous le montrer aux photos, notamment sur les extrémités, au niveau de l'ombilique, mais au niveau aussi du pubis. Et voici des exemples à ça qui sont issus d'un papier qui est en cours de soumission. On a repris au sein de la Société française de dermatologie pédiatrique, tous les cas de gale hyperkératosique. Et vous voyez cet aspect, ce ne sont pas des squames de dermatite atopique, ça. Ce ne sont pas du tout des squames habituels. Vous voyez l'omphalite, il y a très peu de dermatoses qui donnent des omphalites, essentiellement le psoriasis et la gale hyperkératosique. Donc pensez-y, parce que de façon étonnante, les dermocorticoïdes peuvent fonctionner au début du traitement de la gale, parce que ça va réduire un peu le prurit. Pour lequel il y a une composante inflammatoire, mais à terme, ça va aggraver la gale et donner des formes très, très inflammatoires, beaucoup plus difficiles à traiter. Et donc, nous avions repris dans le travail de Camille Grandner, et donc ça, c'est soumis actuellement à publication. Donc ça, c'est la référence de la présentation au congrès. Et vous voyez que dans les trois quarts des cas, finalement, c'était le corticoïde qui a été incriminé, corticoïde appliqué localement, appliqué de façon systémique, c'est un enfant qui avait un asthme récurrent, et de façon inhalée aussi, il semble qu'il y ait un passage systémique important. Nous, on voit des atrophies cutanées importantes chez les asthmatiques, par exemple. Donc, méfiez-vous de ces corticoïdes locaux, mais aussi par d'autres modes d'application. Le traitement, c'est le stromectol, l'ivermectine. Alors, je crois que vous ne l'avez pas au Maroc. L'idéal, c'est quand même de pouvoir s'en procurer. On fait J0, J7, J14, ou alors il n'est pas remboursé, je ne sais plus. Mais l'idéal, c'est quand même de pouvoir utiliser l'ivermectine, J0, J7, J14. On peut le faire même chez le petit enfant. Il y a des études qui montrent que c'est absolument bien toléré avant 2 ans. Et on rajoute, nous, un traitement local pendant 5 jours. On hospitalise toujours les gales hyperkératosiques parce que c'est assez difficile à traiter, c'est tellement contagieux. Ça permet, en fait, pendant ces 5 jours de prise en charge à l'hôpital, que la famille se soigne et traite l'environnement. Et c'est vrai qu'un enfant qui va être contagieux chaque 5 jours, ben c'est un enfant chez qui on ne sait pas trop combien de temps il va falloir traiter la famille. Donc, on les hospitalise quelques jours et on traite la famille en parallèle. Donc, pour la dermatite atopique, on ne traite pas la dermatite atopique en même temps que la gale, parce qu'il a été montré maintenant, il y a quelques années, ça a été confirmé, que l'utilisation concomitante de dermocorticoïdes concomitamment au traitement de la gale favorise les rechutes. Donc, absolument éviter de façon concomitante. On enchaîne sur 3 jolies observations, parce que je vois que le temps passe. Noé, 5 mois, lésion congénitale. Quel diagnostic? Que faire? Alors, la lésion congénitale, on a une infiltration au haut du sillon interfessier avec un petit pertuis ici et un angiome. Donc, je pense que toutes vous dites, oh là là, il se passe quelque chose dessous. Et effectivement, c'est un dysraphisme, mais quand on fait une IRM, vous voyez cette fistule
en fait, qui était borgne. Hein, il n'y avait pas de communication. Et alors là, on ne le voit pas. Et moi, je vous avoue que j'ai toujours du mal à lire les IRM médulaires. Il y avait en plus un fibrolipome. Donc, on est sur un vrai dysraphisme. Et pourquoi on l'a évoqué chez ce petit? Pour une raison très simple, c'est qu'on est sur la zone médiane. Il y a trois lésions. Cette infiltration, cette lésion angiomateuse et un petit pertuis, une petite fistule. Donc ça, ça doit vous faire évoquer un dysraphisme. Récemment, donc, il y a eu un très, très beau papier rédigé par Didier Bessis sur ce sujet-là, sur les dysraphies occultes, crânio-encéphaliques et spinales, donc avec des exemples qu'on va voir un peu rapidement. Et vous savez que, d'un point de vue embryonnaire, la peau est issue d'un tissu, c'est en continuité avec le tube neural. Et donc, s'il y a un problème de fermeture, complet ou incomplet, il peut y avoir sur toute la zone médiane, donc zone médiane qui commence au niveau du menton hein, finalement, et qu'on peut voir au niveau du nez, au niveau du cerveau, mais au niveau du rachis, des défauts de fermeture qui peuvent se traduire par des signes cutanés. Celui qu'on voit le plus souvent, ce sont les aplasies cutanées qui peuvent être médianes, mais qui peuvent être sur toutes les scissures, hein, qui peuvent être des défauts de fermeture. Et seul celui-là avait vraiment une dysraphie. Donc, aplasie, c'est-à-dire alopécie avec zone cicatricielle ou zone atrophique, méfiez-vous, ça peut être un dysraphisme qui peut être de différents types. Alors, ça, je vous donne cette diapositive qui est issue du papier de Didier Bessis. On peut avoir, donc là, vous avez le tissu encéphalique, en bleu sombre, vous avez les méninges, et là, vous avez la peau et le rachis. Donc, on peut avoir un pertuis au niveau du rachis, ça peut être borne, donc il n'y a pas l'os est parfaitement sain, et on peut avoir tous les types de dysraphisme, encéphalocèle, méningocèle, méningocèle athrétique, donc c'est-à-dire qu'on a le méningocèle, il y a un pertuis, mais qui est fermé. On peut avoir du tissu cérébral hétérotopique, donc sous la peau, sans continuité avec le cerveau, un petit méningocèle hétérotopique ou une simple aplasie cutanée. On peut voir en fait toutes les possibilités, donc ça justifie d'une exploration. Au niveau cérébral, on va faire échographie à la naissance ou IRM plus tardivement. Une dysraphie crânio-encéphalique borgne, c'est le kyste dermoïde. C'est un kyste qui se situe sur les paupières, que nous n'aimons pas trop en dermatologie parce qu'il peut y avoir une petite fistule qui ne va pas jusqu'au cerveau, mais qui peut se prolonger. Donc, il faut vraiment, moi, je le confie toujours à des ORL pour qu'ils fassent vraiment une exploration de ce kyste. Il peut y avoir, moi, je crois que j'en ai vu un ou deux, des dysraphies au niveau nasal qui peuvent se traduire par des papules. Ce ne sont pas des angiomes, hein, ce sont vraiment des lésions médianes, des papules médianes ou des nodules, comme ici, ou alors un simple pertuis avec un poil. Et ça, il faut se méfier parce qu'il peut y avoir, comme illustré ici, ça c'est l'hypothèse embryologique de défaut de fermeture, on peut avoir des fistules qui peuvent aller jusqu'au méninge. Donc, à confier à un spécialiste ORL pédiatre. Bon, là, je vais passer là-dessus parce que ce sont tout ce que l'on peut observer. Une dysraphie que je vous avais, je crois, présentée l'an dernier, un énorme hémangiome. Alors, un petit hémangiome médian, on n'y touche pas, un petit hémangiome d'un centimètre. Un hémangiome de grande taille qui va toucher la zone médiane, on va être très vigilant. Il peut y avoir une atteinte plus profonde. Et là, vous voyez ici, vous avez l'hémangiome qui touche la zone paravertébrale, mais qui ici aussi envahit le canal médulaire. Donc, cet enfant, on l'a suivi, il a été sous hémangiol, donc sous propranolol oral. Il n'y a pas eu de complications, notamment neurologiques, et tout ça a régressé très, très progressivement. Donc, voici d'autres dysraphies, mais sans dysraphie médulaire. Donc, vous voyez, juste une toute petite touffe de poils, une touffe de poils avec une petite déviation du sillon. Là, juste une petite fistule. Ça justifie d'une exploration médulaire, une fistule comme ça. Avant-dernière observation, c'est quelque chose qu'on a vu l'an dernier. L'image, je vous avoue, je voulais le partager parce qu'on est rarement impressionné finalement en dermatologie avec l'habitude, mais là, j'ai été vraiment très, très embêté pour ce petit. Ce petit, ça faisait 24 heures, il allait bien, il n'a pas de fièvre et il développe aucun médicament, pas d'érythème, il développe ce décollement bulleux hémorragique diffus. Et la pédiatre m'appelle un peu paniquée, me dit « il est là depuis une heure, ça se dégrade d'heure en heure ». Je vous avoue, c'est la première fois que je voyais ça, j'étais un peu démuni et je l'ai confié à mes amis de Necker. Et en fait, c'est une mastocytose.
dans une forme diffuse hémorragique. Et voyez dans quel état il a évolué. Bon, il a été transféré en réanimation, ce petit. C'est une mastocytose dans une forme quasi de pseudo-layeul. Donc, c'est rarissime, rassurez-vous. Hein. Alors, Necker, bon, c'est un peu comme toujours un Necker, oui, ça doit être… Au téléphone, ils ont fait le diagnostic, hein, donc ils sont bons. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça peut être une mastocytose, on en a vu. En fait, ils en ont vu deux en deux ans. Moi, j'ai passé pas mal de temps en Necker, je n'en ai jamais vu. Ça reste quelque chose de très, très rare. Mais il faut l'intégrer dans ces dermatoses bulleuses, parfois diffuses. Et en fait… Ce sont des formes très sévères hein, de mastocytose, et c'est la dégranulation des mastocytes qui va donner ce décollement bulleux par relargage fort d'histamine, de molécules pro-inflammatoires et d'héparine aussi, qui explique le caractère hémorragique. Donc, et c'est intéressant parce que quand vous regardez là, vous avez cet aspect un peu en peau d'orange. C'est marrant quand on revoit les photos a posteriori, qu'on a le diagnostic, c'est toujours plus facile. Vous voyez cet aspect un peu en peau d'orange ici, qu'on retrouve ici, qu'on va retrouver dans un mastocytome par exemple. Et là, ce sont des formes très très sévères. Donc cet enfant était en réanimation, il a été traité par antihistaminique, antileucotriène, corticothérapie générale. Et un autre enfant qu'ils avaient eu dans une forme très très sévère qui est récidivine, on l'a mis sous imatinib, qui est Glivec, donc qui est une thérapie ciblée qu'on utilise en hématologie, donc c'est un anticancéreux finalement. Hein. Donc ça peut être très très important. Donc méfiez-vous, les diagnostics différentiels de ces grandes dermatoses, grand décollement, ben, ça peut être la nécrolyse épidermique staphylococcique comme ici, ça peut être les grands brûlés, ça peut être les nécrolyses épidermiques médicamenteuses, mais ces grands décollements restent heureusement extrêmement rares. Donc, ce que vous allez voir le plus souvent, vous et même moi, hein, ce sont les mastocytomes. Ce sont ces papules un peu peau d'orange qui, quand on les gratte, peuvent gonfler. Ce n'est pas systématique. Et en cas de plus simple, un peu plus inflammatoire, vont donner exactement, vous voyez, le même aspect que ce qu'on a vu chez l'enfant, c'est-à-dire un décollement bulleux qui peut être un peu hémorragique. Donc, ça, on le voit très fréquemment. Ça se soigne simplement, surtout par la patience, parce que ça régresse tout seul. Moi, je conseille en cas de pouce inflammatoire de mettre des dermocorticoïdes pour éviter notamment l'évolution vers une forme bulleuse. Ce qu'on peut voir aussi de façon beaucoup moins fréquente chez les petits-enfants, c'est l'urticaire pigmentaire. Alors là, qu'on voit à peine, vous voyez, il y a quelques petites lésions ici, ici, ou des formes beaucoup plus étendues qui évoluent par poussée avec ce qu'on appelle le signe de Darié. Vous grattez sur les lésions, l'histamine, le mastocyte libère l'histamine et ça va gonfler. Donc ça, c'est antihistaminique au long cours essentiellement. Dernière observation un peu originale, qui n'a pas un grand intérêt, je dirais, mais c'est tellement rare qu'on le voit. Alors, je suis désolé de la qualité des photos, mais c'est le docteur Riel qui me les a adressées. Et en fait, ça, c'est la maman qui l'a adressé. C'est un érythème chronique migrant, et on dit toujours que ça se développe, ça s'éteint, etc. Et cette petite, il me l'adresse avec ce placard inflammatoire, elle habitait Rambouillet. Alors, si vous connaissez un peu la géographie francilienne, Rambouillet, bah, c'est une forêt, Rambouillet, avec une ville au milieu. Et les gens, en l'occurrence, habitaient près d'une forêt avec des chiens. Et donc, cette petite a fait un érythème chronique migrant avec la première lésion. Et 48 heures après, vous voyez, l'érythème qui s'est développé avec une guérison centrale. Donc, aujourd'hui, bon, c'est assez bien codifié. Je vous renvoie vers les recommandations. L'érythème chronique migrant, c'est de l'augmentin pendant 15 jours. Voici d'autres formes. Là, on voit bien la piqûre initiale avec la zone arrondie, là aussi dans la forme un peu initiale. Et cette petite, en fait, en avait plusieurs avec plusieurs cercles sur le visage. Rapidement, très vite, les exanthèmes au Covid, les exanthèmes non spécifiques, on en a vu plein. Ça, c'est une… vous allez voir, il y a beaucoup, ce sont des photos qu'on m'a envoyées parce qu'en pleine, lors du premier confinement, nous, on a fermé toutes nos consultations et pendant 2 mois, on n'a quasiment pas vu de patients. On s'est concentré sur les patients non-Covid de l'hôpital. Donc, ce sont beaucoup de cas qui ont été vus soit par mes collègues en urgence, soit des cas de téléconsultation. Donc, des exanthèmes non spécifiques. La Société française de dermato avait rapporté cet aspect un peu souffleté du visage, comme on peut voir dans le mégalérythème épidémique. Donc, ce n'était pas des parvovirus, mais le Covid. On peut voir des urticaires, ça, il y en a plein qui ont été rapportés chez l'enfant, chez l'adulte. Là, c'est une autre enfant. Des exanthèmes vésiculeux varioliformes qui ont été rapportés très, très inflammatoires. Donc, ça, on en a vu pas mal. Ça, c'était l'enfant d'un collègue qui a fait un exanthème, des lésions contusiformes. Donc, le collègue m'appelle en disant « je suis très inquiet, elle fait des hématomes ». Alors forcément, je lui dis en rigolant, mais tu l'as pas battu ta fille. Non, mais par contre, il a fait le Covid. Donc, éruption contusiforme. Un pityriasis, des pityriasis rosés de Gibert ont été rapportés dans la littérature.
des syndromes de Schnettiger-Steen ont été rapportés dans la littérature. On a vu toute la dermatologie, hein, c'est génial. Le Covid pour les dermatologues, je vous le dis tout de suite. Des exanthèmes unilatéraux ont été rapportés. Là, c'était chez une adulte, mais j'en ai vu moi en photo chez des enfants. Ce qu'on a vu le plus et qu'on revoit actuellement, je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup au Maroc, ce sont des pseudo-engelures, et on en voit beaucoup chez les adultes actuellement. Ces tableaux très aigus, post-Covid, parfois bulleux, qui touchent les extrémités distales, les extrémités surtout au niveau des pieds. Et donc, la première pandémie était en mars-avril, mais on a eu un temps exceptionnel. Nous, à ce moment-là, les enfants étaient toujours dehors, donc ce n'était pas lié au froid. Donc, des formes vraiment très, très… Tout ça sont des jeunes que l'on a vus chez nous. Ça, vous voyez ça, quand il fait froid, ce sont des engelures, mais des formes plus bulleuses. Avec, bon, je passais rapidement parce qu'on n'a plus trop le temps, toute une littérature sur ce sujet-là qui n'a pas apporté grand-chose finalement en termes de compréhension, mais deux formes, la pseudo-engelure et le pseudo-érythème polymorphe. Pseudo-érythème polymorphe, ça nous envoie tout de suite vers l'érythème polymorphe que nous avons rapporté. Un vrai érythème polymorphe avec l'atteinte muqueuse, il avait une atteinte conjonctivale et une atteinte tout à fait caractéristique en cocarde des extrémités qui a répondu spontanément et qui a fait une petite rechute après. Et vous savez, les pseudo-Kawasaki ou des vrais Kawasaki, je ne sais pas, avec tout un tas maintenant, toute une grande littérature européenne, anglo-saxonne, mais avec des kawas très particuliers, notamment une grande fréquence des symptômes digestifs. Grande fréquence des myocardites, vous voyez, et beaucoup d'enfants d'origine africaine, beaucoup moins d'enfants d'origine européenne. Donc, probablement un background génétique un peu différent qui prédispose à l'enfant. Donc, c'était rapporté aussi aux États-Unis. Je passe rapidement là-dessus. Je passe aussi rapidement là-dessus. Donc, des poussées de DA, des poussées de psoriasis, des zonas. On a vu beaucoup de zonas pendant la phase pandémique. Alors, est-ce que c'était post-Covid ou est-ce que c'était lié au stress du confinement? On ne sait pas. Mais il y a aussi une littérature qui se dessine, qui commence à apparaître sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, le lien chronologique n'est pas si clair que ça. Il semble que ce soit quand même des éruptions post-Covid. Donc, finalement, on n'a pas grand-chose à faire sauf être contemplatif et symptomatique. Moi, je ne les teste pas systématiquement. En fait, maintenant, dans les formes plus sévères, on fait volontiers des sérologies pour voir si les gens ont fait le Covid, mais c'est rarement concomitant du Covid, en fait. Donc, restons simples. Et donc, je vous re-souhaite une bonne année, puis surtout, protégez-vous bien, qu'on se retrouve à CASA, parce que c'est vraiment sympa. Moi, c'est vraiment un moment privilégié de mon année. Je commence chaque année par un week-end à Casablanca depuis plusieurs années. Et c'est que du bonheur pour moi, donc j'espère qu'on se reverra l'an prochain et que ce n'est pas le premier, mais le seul congrès virtuel que la CPP organisera, parce que c'est quand même plus sympa d'être ensemble. Merci, professeur Mahé, pour cet exposé, pour cette revue très large de la dermatopédiatrie. On me dit qu'on a encore maximum 10 minutes pour laisser un petit peu l'antenne, comme on dirait à la radio. Avant de laisser la parole au professeur Bouy, il y a des questions qui sont arrivées, donc je vous les expose ensemble, notamment concernant la DA. Alors, la dermatite atopique est au niveau des cils, on pose la question sur la DA au niveau des cils, comment traiter. Et la durée maximum, la deuxième question, durée maximale d'un dermocorticoïde, bon, ce n'est pas précisé. De façon large. Ensuite, méthotrexate en cas de DA, prurigo nodulaire. Voilà. Et dernière question qui s'expose ici, c'est ascabiol. Est-ce que l'ascabiol a une place dans le traitement de la gale hyperkératosique? Oui, j'ai les questions. Si vous pouvez. Je vais répondre. Vous avez des questions. La DA des cils, je pense que ça n'existe pas. Méfiez-vous, ça peut être ce qu'on appelle une démodicidose. Alors, la DA des paupières, il y a deux choses. Il y a la dermatite atopique des paupières, ça c'est très très fréquent. Et ça, c'est pour moi dermocorticoïde fort. En une ou deux applications, il n'y a plus rien. Donc, vous en mettrez très peu, ce sera rapidement efficace. Donc, pas de danger. La DA des cils, méfiez-vous, il y a un parasite qu'on appelle le démodex, qu'on peut voir chez l'enfant qui peut donner une irritation, une blépharite. Donc, s'il y a une vraie blépharite, moi, je préfère avoir un avis ophtalmologique.
On peut mettre des collyres à base de corticoïdes, mais moi, je ne suis pas très à l'aise, notamment chez l'enfant. Donc, je préfère avoir un avis ophtalmologique. Pour moi, la dermatite atopique des cils n'existe pas. La blépharite, parce que les cils étant un poil, il n'y a pas de dermatite atopique du poil. Il y a une blépharite. Donc, blépharite, soit une dermatite atopique, soit une démodicidose. Et la démodicidose, ça se traite par antiparasitaire. Donc, plutôt avis ophtalmologique. Durée maximale de traitement par dermocorticoïde, il n'y a pas de durée. La durée, c'est jusqu'à blanchiment. Il y a un dermocorticoïde bien appliqué dans la dermatite atopique, c'est 2, 3, 4, 5 jours. Dans un prurigo nodulaire, malheureusement, ça va être des mois. C'est pour ça qu'on va volontiers utiliser un traitement systémique. Mais les dermocorticoïdes s'utilisent jusqu'à blanchiment des lésions. Dans le psoriasis, on va l'utiliser 3 semaines, 1 mois, le dermocorticoïde, parce que c'est beaucoup plus corticorésistant. Donc, il n'y a pas de limite stricto sensu. Après, si les patients, comme dans le petit que je vous ai présenté avec la gale hyperkératosique, vous disent bah, « j'ai mis pendant un mois 4 tubes de diprozone et ça ne va pas mieux », c'est qu'on n'est pas sur une dermatite atopique. La dermatite atopique, c'est très, très corticosensible. Comment utilise-t-on le méthotrexate dans la DA ou le prurigo nodulaire? Alors, les doses recommandées, c'est, je crois, 10 mg mètre carré à peu près. Donc, il faut calculer à peu près la surface corporelle. Bon, il y a des repères, hein, 10 ans, je crois que c'est 1 mètre carré à peu près, que les enfants font environ 1 mètre carré, et vers 2 ans, c'est 50 cm, c'est un demi-mètre carré, pardon. Donc, vous pouvez calculer comme ça, c'est simplement. C'est une fois par semaine, on rajoute toujours de l'acide folique 48 heures après, ça réduit la toxicité, notamment digestive, sans réduire l'efficacité. Donc, moi, ce que je vais faire, un enfant qui a 5-6 ans, bah, je vais lui mettre 10 mg, par exemple, peut-être un petit surdosage, le vendredi soir, en expliquant que comme ça peut fatiguer et que ça peut donner des symptômes digestifs, je préfère que l'enfant se repose le week-end qu'à l'école. Tout le monde n'est pas d'accord. Les enfants ne sont peut-être pas d'accord, mais moi, je préfère qu'ils se reposent le week-end. Et l'acide folique le dimanche soir. Et on continue surtout la cortisone. Le métho, ça met un mois et demi, 2 mois à fonctionner. Donc, il faut en plus faire un traitement d'attaque par dermocorticoïde. Hein. C'est très lent à fonctionner, le méthotrexate. Et la durée, ben, la durée, elle est un peu indéterminée. Ça va dépendre un peu de la sévérité de la maladie. Moi, quand j'ai commencé mes études, et Mohamed Bouy pourra le confirmer, je pense, au bout d'un an de métho, on faisait une biopsie hépatique. Donc, c'est totalement exclu de le faire chez l'enfant. Maintenant, on ne fait plus de biopsie hépatique. On a des moyens biologiques de surveiller la toxicité du méthotrexate. C'est très bien supporté, le méthotrexate, notamment chez l'enfant. L'enfant n'est jamais insuffisant rénal, n'est jamais insuffisant hépatique. Donc, il y a rarement c'est exceptionnel la toxicité du méthotrexate chez l'enfant. Donc, on va faire sur le long cours, 6 mois, 1 an. Et puis après, ce qu'on va faire de toute façon dans tous ces médicaments systémiques, c'est rechercher la dose minimale efficace. C'est-à-dire que si l'enfant est totalement contrôlé avec 10 mg, on va passer à 7,5 mg, puis éventuellement 5 mg pour pouvoir durer plus longtemps. Si on voit que ça rechute très légèrement à 5 mg, on va rajouter des dermocorticoïdes sans forcément augmenter la dose de métho. Donc après, on adapte vraiment en fonction de l'enfant. Alors moi, je vous conseille quand même de confier, si vous pensez que ça justifie le métho et que vous n'avez pas l'habitude, confiez-le à quelqu'un qui a peut-être un peu plus l'habitude. Est-ce que l'ascabiol a une place dans le traitement de la gale hyperkératosique? Oui, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ivermectine si on peut en avoir, ou autrement c'est ascabiol. Ascabiol tous les jours, chez le tout petit enfant, on va laisser entre 6 et 12 heures, on va le répéter tous les jours. Chez le grand, on va le faire couche sur couche, hein, tous les 24 heures. En général, on donne une douche entre les deux. Donc, ce n'est pas couche sur couche, on fait tous les 24 heures. Nous, on le fait 5 jours dans la gale hyperkératosique parce qu'on a accès au stramectol. Si vous n'avez pas accès, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire au moins une semaine, pas forcément 7 jours à l'hôpital, mais ça peut être fait après un relais à domicile. Mais il faut le faire un peu plus longtemps. Ce qui était recommandé avant, c'était de dire jusqu'à 2 prélèvements de sarcopte négatifs. Le problème, c'est que quand vous faites un prélèvement, vous pouvez avoir des sarcoptes morts ou vivants. Et ça, vous ne le voyez pas forcément au microscope. Donc, ce n'est pas un examen qui est très, très sensible. Et c'est un examen qui doit être fait par un parasitologue motivé qui connaît bien cette pathologie et qui va le faire le jour même. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais fait un prélèvement de sarcopte, on a mis 5 jours pour y répondre. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, faites-le 7 jours. Je pense que ça suffit largement. Et refaites-le. C'est-à-dire que nous, vous savez, le traitement de la gale, c'est J0-J8. Donc, faites 5-7 jours et refaites une semaine après, par prudence, au moins 2 jours d'ascabiol. Nous, on va faire le stromectol, donc on n'a pas besoin de refaire l'ascabiol. Autrement, refaites-le, vous faites J0 pendant 5-7 jours, puis faites le J15. Parce que vous savez que le sarcopte, l'ascabiol n'est pas un bon ovocyte, donc ne va pas fonctionner sur les œufs de sarcopte.
et donc vont, il y a un risque de rechute après éclosion des œufs, en fait. Alors, je crois qu'il y avait, j'ai vu d'autres, non. J'ai répondu, je pense. Oui, c'est bon. Je pense que ce monsieur, le professeur Bouy, il doit avoir des remarques. À lui la parole. À vous la parole. Merci. Merci, monsieur le président. Professeur Emmanuel Mahé, je suis très content de te revoir. Avant de revenir vers toi, j'aimerais remercier le comité d'organisation du premier, on va dire, congrès de l'ACCP en virtuel. C'est pas moi qui va te contredire, Emmanuel, pour dire que rien ne remplacera un enseignement ou une intervention donc en présentiel. Mais ce n'est pas moi non plus qui ai dit que faute de grive, on mange des mers, et donc faute de ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. À une situation d'exception, donc des conduites d'exception, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de co-présider cette séance avec toi, Emmanuel, et avec le reste du groupe. Et donc, j'aimerais remercier les professeurs Afif, les professeurs Benani et mes amis, le professeur Dadoun et le docteur Dadoun et le docteur Bellassane. Nous avons traversé une année très, très, très difficile. Et je reviens à l'ACPP pour les remercier pour ce que vous avez, pour l'honneur et pour vous, pour débuter cette année ou pour ouvrir le bal d'une manifestation même en version virtuelle. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021. Pour mes souhaits, j'ai un seul souhait, c'est que la pandémie de la COVID-19 disparaisse, soit de façon naturelle, soit par la vaccination. Parce que cette année très, très difficile nous a beaucoup causé de problèmes. Il a changé nos habitudes de travailler, il a changé nos habitudes de voir les choses. Le confinement est une situation très, très anxiogène. Et je reviens donc à ta présentation, cher ami, donc professeur Emmanuel Mahé. C'est une overview de la dermatite atopique avec cet aparté sur l'infection à la COVID-19. Et c'est vrai que j'ai bien appris, j'y suivais avec un intérêt particulier ta présentation, qui a été très exhaustive, mais surtout, elle a été très claire, nette, précise et pertinente. Deux remarques. Oui, pour l'omphalite. En dermatologie, on n'en voit pas beaucoup l'omphalite, à l'exception du psoriasis, comme tu l'as si bien dit. Et j'ai été très, très impressionné par l'atteinte de l'ombilique, enfin, ou l'omphalite de la gale et kératosique. C'est un cas très, très, très démonstratif. Pour ce qui est de... Et puis aussi, de la scabiole. Est-ce que la scabiole, oui, au Maroc, nous n'avons pas l'ivermectine, malheureusement. La scabiole, elle est très, très irritante. Mais là encore, faute de ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Nous n'avons malheureusement pas donc une solution pour traiter la gale, le spray gale, mais qui est en rupture de stock. Ce que je pourrais dire à mes amis, c'est que l'ivermectine ou le stramoctone ne coûte pas très, très cher. Et on peut l'avoir via les Marocains vivant en France ou tout près de chez nous, donc à Ceuta et à Melilla. Qu'est-ce que je dois dire encore? C'est vrai, donc il y a deux questions qui apparaissent. Donc tu as répondu, cher Emmanuel, à deux questions. Donc il y a, avant de terminer, je vois que nous avons encore une minute. Donc je te remercie. Tu n'as pas eu la chance d'assister, enfin de venir à Casablanca en ce début d'année 2019-2021. J'espère que l'année, ce ne sera qu'une partie remise pour l'année 2022, Inch'Allah. Et je te laisse la parole pour répondre dans le temps donc, qui nous reste, donc je pense une minute pour les deux questions. Et ce ne sera donc que partie remise pour l'année prochaine. Merci encore à toi pour la clarté et la pertinence de la présentation. Et puis, merci pour le comité d'organisation et bonne et heureuse année. Merci Mohamed, et ce sera vraiment avec plaisir. Juste un mot sur Emmanuel, je reviens. Oui, je confirme qu'il y a 10
10 ans, nous faisions la ponction biopsie hépatique, que alhamdoulilah, maintenant, c'est une très, très, très bonne chose. On n'en fait pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis aussi, je suis tout à fait d'accord que l'équipe de Necker Encore Malade, ils font un très, très bon travail. Et je pense que le professeur Christine Baudemer, elle est toujours là. Tu me confirmes? Oui, toujours là. Moi, je préfère mon professeur Ajrabia. C'était mon co-chef de clinique quand j'y étais. Ah oui, tout à fait. Ajrabia, donc. Adorable. Juste un mot, Mohamed. Je crois qu'il faut, sur l'escabiole, la nouvelle formulation, vous savez qu'il y a une rupture de stock à un moment, et la nouvelle formulation est beaucoup moins irritante que la précédente et beaucoup mieux supportée. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Alors, le Spregal, je crois qu'il n'est pas en rupture de stock, c'est terminé, hein, le Spregal. Il n'y en aura plus. Hein. C'est plus beaucoup, hein, c'est un arrêt de production. Merci. Voilà. Merci, cher ami Emmanuel. Merci, Sibnani. Merci, Siboui. C'était une session intéressante et captivante. Et comme tu l'as dit, de toute façon, nous mettrons à la disposition de tous les présidents des associations régionales. Nous voulons passer par les présidents. Donc, l'intégralité de cette présentation, ils se feront le plaisir de le partager. Et donc, ajouter à cela notre président de la Société marocaine de pédiatrie et notre ami le professeur Mohamed Bouskaraoui, président de la SOMIPEV. Ce genre d'exposé sert aussi, par exemple, pour l'ivermectine. Donc, on fera, nous, un écrit, toutes les associations régionales et moi-même et avec la société, on fera l'écrit au ministère de la Santé pour demander à ce qu'on puisse avoir l'ivermectine. Donc, si ça sert à ça, c'est une bonne chose et on peut donc la voir. Je voudrais juste dire que donc notre congrès a bien débuté parce qu'il y avait plus de 150 personnes qui ont suivi des 900, donc les courageux, les matinaux, parce qu'actuellement, il pleut. C'est une bonne chose, il pleut chez nous et il pleut même beaucoup au Maroc. On espère qu'on aura moins de... Donc, on t'accueillera pendant l'été pour nos journées et à ce moment-là, on sera débarrassé de la pandémie. Avec plaisir. Juin, donc, on t'inscrit en premier maintenant donc, et on aura l'occasion autour d'un bon repas de discuter parce qu'on le dit, nous sommes ici au Maroc et au niveau de la CPP, une famille et on a d'excellentes relations aussi avec ces bouillies et donc on est une famille avec les dermatos adultes et nos amis de l'hôpital militaire de Rabat. Donc, comme vous le savez, on a essayé pour que ce soit vraiment un congrès virtuel. Et donc, il y a maintenant la visite des stands. Vous pouvez discuter avec les délégués, avec les responsables au niveau des différents laboratoires, parce que c'est vrai, on n'a pas eu cette occasion pendant le COVID. C'est un petit peu difficile de faire la visite médicale durant le COVID avec toutes les précautions et toutes les mesures barrières. Donc, à défaut de cette visite comme elle se faisait, les pédiatres pourront discuter avec les délégués des différents laboratoires qui participent et on reprend à 11h précise. Merci à tous, merci Sibnani, Siboui, merci Emmanuel et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Bonne journée.